Jesus is risen from the dead. Dieu notre Père céleste, nous nous tenons ici parce que tu l'as voulu ainsi et nous bénissons simplement ton nom pour ce que tu as fait. Toi qui es en train de faire un travail rapide en ce temps de la fin, fais-nous grâce pour que par le Saint-Esprit nous puissions traverser toute une saison pendant cette réunion. Nous puissions passer de la justification au baptême du Saint-Esprit et voir même à l'adoption par la grâce de Dieu. Fais-nous mûrir sous le soleil du Seigneur, le soleil de la parole. Et par le Saint-Esprit, accorde que cette réunion soit une grande, grande bénédiction pour toutes nos vies, ici et partout dans le monde où tes enfants sont connectés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons grâce à notre Dieu qui nous a donné l'occasion d'être ici pour cette réunion. Tout comme le dimanche passé, je n'étais pas sûr de pouvoir être ici pour prêcher aujourd'hui, parce qu'en même temps j'essaye de prendre un peu de repos. Mais aujourd'hui Dieu a encore permis que je sois au milieu de vous, et nous voulons rendre grâce au Seigneur pour cela, pour cette occasion qu'il nous a donnée. Alors, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue tous nos frères qui sont à Brazzaville et à l'église de Mbota ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue tous nos frères qui sont à l'étranger au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis à cette occasion et nous comptons sur Dieu pour avoir encore un moment béni devant lui. Je n'oublie pas nos frères qui sont en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Et en passant, nos frères du Cameroun vous saluent encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont demandé à ce que vous puissiez prier pour eux. Et eux aussi, ils prieront pour vous. Et je crois que ça, c'est un bel esprit chrétien. Nous en avons vraiment besoin. Et ici, j'ai un frère également de Haïti qui m'a demandé de vous saluer, le frère Grainer Louis de Haïti. Il a dit qu'il nous suit depuis très longtemps et il ne fait que télécharger toutes les vidéos des cultes. Il s'appelle Grainer Louis, j'espère que je prononce bien son nom. Il vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que s'il nous suit maintenant, ou même s'il suivra le culte aussi après, je crois que vous aussi vous le saluez. Et nous avons également une sœur du
Burkina Faso. Elle m'a dit que je pouvais donner son témoignage devant vous. Elle s'appelle la sœur Estelle Béatrice du Burkina Faso. C'est la première fois même qu'elle m'écrit. Hein. Mais elle me connaît certainement depuis longtemps. Et voici ce qu'elle dit. Shalom frère. Elle m'a dit que je peux passer son témoignage devant vous. Elle dit ceci, shalom frère, je suis une sœur au Burkina. J'ai eu votre contact par l'intermédiaire du frère Didas. Que Dieu le bénisse. Donc, quand il a essayé de me contacter. Frère, vous dites que si vous aviez 10 000 vies, vous la donnerez. Mais laissez-moi vous dire que vous le faites déjà par le service de Dieu que vous faites avec tant d'amour et de fidélité. J'ai eu cette vie par vous. J'avais entendu qu'il y avait un message, mais je préférais ma dénomination car c'était sans vie. Mais comme un frère m'a fait écouter vos prédications, alors là j'ai quitté la dénomination et me suis baptisé. Et depuis lors j'évolue avec vous par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, frère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes salutations à l'Assemblée. Shalom. Amen. Voilà les choses que Dieu fait pendant que on ne se rend même pas compte. Une sœur qui était vraiment attachée à la dénomination, mais qui maintenant est dans le message, elle s'est même fait baptiser rien qu'en suivant ces prédications-là. Je crois que Jésus-Christ mérite encore d'être acclamé pour cela. La Bible dit, il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme qui se répand. Je ne sais pas combien il y en a dans le monde, mais là nous avons déjà au moins un témoignage. Elle a quitté la dénomination, s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ, et maintenant elle suit le message avec vous là. Quand vous suivez là, elle suit le message. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut dire d'autre. C'est une grande bénédiction et que Dieu soit vraiment béni. Moi, je ne suis pour rien dans cela. Vous voyez, je ne suis que comme un instrument, voyez-vous. C'est celui qui fait le travail qui mérite l'honneur. Et celui qui fait le travail, c'est Christ. Nous, nous ne sommes que des simples instruments. Il ne faut pas oublier cela. C'est pourquoi quand on peut voir Dieu faire cela, eh bien c'est une preuve que Dieu est en action. Vous voyez la distance, elle ne suit que par une vidéo. On aurait dit qu'il n'y a pas d'impact. À l'époque de frère Branham, il y avait des frères qui suivaient une prédication par radio cassette. Alors, pendant qu'ils étaient assemblés en Jamaïque, à un moment donné, la colonne de feu est venue se poser sur la radio cassette. Branham n'était pas là. Ce n'était qu'une radio cassette. Paraîtrait-il que Dieu n'utilise pas la mécanique, les instruments pour prêcher l'évangile? Oui, c'est vrai, Dieu utilise des hommes. Mais une fois que l'homme a apporté le message et que ce message est maintenant sous la forme d'un support, ça peut toujours sauver une âme quelque part. Soyons équilibrés. C'est tout ça Dieu. Et une fois, à l'époque, nous faisions encore l'émission 30 minutes pour dire Amen sur une chaîne de télévision. Il y en a ici qui se rappellent. Parce qu'il y a des frères et des sœurs qui sont venus au message par cette émission-là. Alors, il y avait des frères qui avaient enregistré cette émission, une des émissions, à la télévision.
et ils ont enregistré. Et quand ils ont rejoué la bande chez eux, il va arriver un moment quand je parlais, j'ai prononcé un mot, une langue de feu est sortie de ma bouche. Donc quand vous jouez la vidéo au ralenti, vous voyez la langue qui sort. J'ai pris la vidéo de Frère Mesmin. Tu te rappelles, Frère Mesmin? Vous voyez sa main levée? La main levée à notre trésorier. J'ai pris la vidéo de Frère Mesmin parce que lui, il a enregistré aussi à cette époque-là. J'ai joué à cette minute-là au ralenti, elle était là. J'ai pris la vidéo d'un autre frère qui avait enregistré dans un autre quartier, elle était là. Alors là, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut dire d'autre. Vous voyez, donc ça ne m'étonne pas que de si loin les gens envoient ces témoignages. Et j'ai constaté qu'en Haïti, il y a vraiment une effervescence. Il y a même des pasteurs. Ils sont nombreux en Haïti qui nous suivent. Des pasteurs, des laïcs, ils sont vraiment nombreux. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais ils ont de la famille aux États-Unis. Il y a beaucoup de Haïtiens aux États-Unis. Et peut-être que ce sont les frères qui sont là-bas qui ont mis leur famille en contact. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Mais ils sont vraiment nombreux. Je vois que de plus en plus, là-bas, c'est vraiment en train de bouger. Mais que Dieu soit béni pour ce qu'il est en train de faire. Et ça nous demande à tous, alors, en voyant ça, d'être de plus en plus conséquents. Alors, juste avant de commencer à vous dire ce que je voudrais vraiment vous dire, je voudrais d'abord inviter une sœur qui voulait donner un témoignage d'un songe qu'elle a eu à faire. Et moi, je vous dirai, qu'est-ce qui m'intéresse dans ce songe-là? Et ensuite, nous allons essayer de faire un travail en tenant compte de cela. Parce qu'on ne doit pas négliger les avertissements du Seigneur. Dans une église du Dieu vivant, il y a des dons. Il y en a qui ont des visions, des prophéties, des songes et tout le reste. Et nous utilisons tout cela pour la gloire de Dieu. Alors, la sœur s'appelle Jacqueline Ngoma. C'est elle? C'est elle, hein? Tu peux venir, ma sœur. C'est le diacre Didier qui doit vivre non loin de la sœur, qui m'a rapporté cela. Et j'avais demandé si la sœur pouvait témoigner elle-même dans la langue de son choix. Et nous allons mettre un interprète approprié. Et c'est comme ça que nous avons donc invité la sœur. Alors, tu vas commencer par dire ton nom, hein, ma soeur, à la vous la comprenez, vous savez, pour parler devant une grande foule comme ça, c'est pas très facile, hein? Mais c'est votre soeur, n'est-ce pas? Il n'y a pas de souci. Alors, sens-toi libre, ma soeur, hein? Tu parles dans la langue de ton chien. Suivez son témoignage. Le peuple de Dieu, shalom. La sœur Jacqueline Ngoma Jacqueline. Je suis la sœur Jacqueline Ngoma. C'était un jour de samedi au réveil du dimanche. Je dormais. Je vends au marché de Vungu. Dans le rêve, je suis allé au marché. Moi, je suis arrivé au marché, j'étalais mes marchandises. J'entendais un bruit. Et je ne faisais pas attention à ce bruit. Et j'étalais ma marchandise. Le bruit ne cessait que de gagner en intensité. Et ça me parvenait jusqu'à mes oreilles. Il fallait m'oublier à Babi. Et j'étais obligé d'arrêter d'étaler d'abord. Je suis sorti dehors. Je cherchais d'où venait ce bruit. Je vais entendre une voix qui me dira.
Tu cherches quoi? Regarde au ciel. Je lève mes yeux. Et je n'ai vu aucune nuage. Il n'y avait que des photos. Dans le ciel, il y avait. Dans la photo, il y avait le pasteur Francis. Et la photo s'était parier dans le monde entier. Il n'y avait que sa photo, son image. Et quand je me suis tourné, je dis Seigneur Jésus-Christ. Il s'est levé. Il parle, regarde mon épouse. Et je vais voir le pasteur Francis. Où? Je commençais à crier. J'avais vu notre chef à l'image de l'image du prophète. Où il y avait la colonne de nuée. Mais la gloire est là. La gloire a quitté le chef. Et ça s'est étendu jusqu'au pasteur Francis. Voilà, la colonne de nuée. C'est devenu comme quand l'homme et la femme se marient. On pose donc le voile sur l'homme. Mais pour lui, vraiment, ça s'est étalé. Ça s'est étalé. La gloire. Et c'est arrivé jusqu'au niveau de ses pieds, sous la forme de la main. Ça l'a couvert et c'est devenu sous la forme de la main. La main a commencé à appeler, elle a commencé à tirer les âmes. La main commence à tirer les âmes. Vous commencez à crier. Je commençais à crier. Mais pasteur Francis, Mais le pasteur Francis, tu m'as laissé, moi je suis laissé. Il continue toujours de prêcher les. Moi je ne faisais que crier. Mais pasteur, moi tu m'as laissé. Il m'a regardé quand il m'a tendu la main. Voilà. Je suis parti. Et quand je suis arrivé dans la procession, me demandez Seigneur. Donc, baba, t'as encore mes couines à lever ma.
Il n'y a que. C'est tout comme un brebis. Mais comment? Tout le monde. Église, toutes les personnes que je vois là-bas. Il y a seulement. Juste un peu. Je commence à prier. Jusqu'à ce que je me suis réveillé. Nous sommes arrivés au petit matin. Je n'avais plus la force de venir à l'église. J'étais fatigué. J'ai dit aux enfants, allez-y. Moi, je ne viendrai pas. C'est tout ce que j'avais à vous dire. D'abord, sois béni pour ce témoignage et pour ce songe. Que notre Dieu soit vraiment béni. Maintenant, je voulais dire que ce qui m'intéresse moi dans ce songe, c'est le dernier élément qu'il y a eu dans ce songe où on a dit qu'il n'y avait que très peu de gens qui avaient été pris. Et je me rappelle, il y a déjà des frères, des sœurs, je crois, des sœurs en particulier qui m'ont déjà donné plusieurs rêves, plusieurs songes de ce genre. Mais j'ai pensé que cette fois-ci, nous pouvons exploiter cela et travailler là-dessus parce que les avertissements du Seigneur sont à prendre au sérieux. C'est pourquoi aujourd'hui, au lieu de faire question et réponse sur Ézéchiel ou au lieu d'enseigner sur un autre chapitre d'Ézéchiel, je vais faire comme une sorte de, on va dire, comme une sorte d'état des lieux. Donc, je ne vais pas prêcher comme je prêche d'habitude. Je voudrais surtout essayer de parler avec vous. Ou si vous voulez, je voudrais de façon précise dire à chacun ce que Dieu attend de chacun de nous. C'est ce que je voudrais faire. Alors je voudrais donc, mes frères et mes sœurs, que nous puissions tous prêter attention. Oublions d'abord les programmes qu'on avait après le culte, aller manger ou aller faire ceci ou cela. Ici, il s'agit de la vie éternelle. Donc, je m'en vais aller pas à pas et vous dire exactement ce que Dieu attend de chacun de nous. Si vous écoutez et vous pratiquez, ça sera très bien. Et si vous n'écoutez pas, ça ne sera plus la faute du Seigneur. Et vous et moi, nous avons besoin de travailler pour notre salut avec crainte. Amen. Amen. Très bien. Alors, vous pouvez rester assis. Je vais prendre la Bible. Nous allons dans 1 Pierre chapitre 4. Je vous en prie. Si vous pouvez et que vous avez quelque chose pour écrire, prenez des notes, s'il vous plaît. Prenez des notes, que vous soyez ministre ou pas, un frère ou une sœur, un diacre ou pas, nos fonctions ne nous amèneront pas au ciel. Prenons des notes. Nous allons dans 1 Pierre chapitre 4. Le verset 7.
Alors nous lisons au nom du Seigneur. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. Amen. La fin de toutes choses est proche. Soyez alors sages et sobres pour vaquer à la prière. C'est l'appel que Dieu nous adresse. Dans Michée au chapitre 6, verset 8, il est écrit, Michée 6, verset 8, même si vous voulez lire le texte avec moi, mais soyez sûr d'avoir pris la référence, parce que vous pourrez relire à la maison. Et ensuite, le texte va passer à l'écran et on va regarder ces choses calmement ensemble. Quel que soit ce que je vais dire, je mets la main sur mon cœur. Même si c'est dur, je le dirai seulement parce que c'est la parole. Mais pas parce que je veux faire du mal à quelqu'un, non. Au nom du Seigneur. Non, pas du tout. Donc, et ensuite, en écoutant la parole, ne tournez pas vos regards à gauche ou à droite pour regarder X ou Y pour dire, tu vois, c'est ce que tu fais, non? Non, regardons-nous, nous-mêmes, chacun individuellement, vis-à-vis de la parole. Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà ce que Dieu attend de l'homme. Là, ce passage est un résumé, un condensé qui nous dit ce que Dieu attend de l'homme. Il veut que l'homme pratique la justice, que l'homme aime la miséricorde et que l'homme marche humblement devant Dieu. L'humilité, c'est la capacité de descendre et de se soumettre à ce que dit la parole de Dieu. C'est ça l'humilité. C'est être petit en face de la parole. Alors, donc, nous allons donc parler sur ce que Dieu attend de moi. C'est-à-dire moi en tant que toi et moi. Moi en tant que l'homme. Qu'est-ce que Dieu attend de l'homme? Nous avons dans la Bible un homme appelé Samson. Et quiconque a déjà lu l'histoire de Samson sait que Samson n'était pas un homme tout à fait ordinaire. Lorsqu'il est né, il est né de parents, certes ordinaires, mais ils étaient des gens qui craignaient Dieu. Et Samson Samson est né, Butukaka, ordonné par Dieu et ordonné pour Dieu dès sa naissance. Il était né pour être un juge en Israël. Il était né pour délivrer Israël du joug des Philistins. Et Dieu, qui l'a envoyé en mission, l'équipa avec tout ce qu'il fallait. Il l'équipa de tout ce qu'il fallait pour lui permettre de remplir correctement sa mission.
Dieu lui donna une charpente correcte, parfaite. Par rapport au travail qu'il avait à faire. Et Dieu plaça sa force en lui. Et sa force était cachée dans ses cheveux. Dieu le prépara pour cette mission. Il suffisait que l'onction de Dieu l'anime pour que le bras de Samson renverse tout ce qui était devant lui. C'était le bras de Dieu au travers du bras de Samson. Mais Dieu lui donna un ordre. Celui de se marier en Israël. Dans la maison d'Israël. Dans la parole. Mais pas à l'extérieur. Et Samson va briser cet ordre. Et en brisant cet ordre, il s'est retrouvé aveugle et sans puissance. Mais sa charpente physique était toujours là. Et Frère Branham dit, la charpente physique de Samson, ce sont les membres d'église. Les membres d'église peuvent être là, mais ce n'est pas ça qui fait une église. Frère Branham dit, ce qui fait une église, ce n'est pas le nombre de gens qui vont dans cette église-là. Ce n'est même pas le rang social des gens qui vont dans cette église-là. Mais c'est la qualité des gens qui vont dans cette église-là. Samson s'est retrouvé aveugle. Et Frère Branham de dire ici. Dans la prédication en anglais. Ne vous en faites pas, j'ai beaucoup de citations en français. Il dit ceci. Et il donne déjà le temps. Oh Lord, just one more. Il dit, oh Seigneur, encore une fois seulement. Prêché le 28 juin 28 juin 1963 au paragraphe 55 nous avons l'écriture à l'écran. When I think of that, quand je pense à cela, I think about a church that was ordained of God. Je pense à une église qui était ordonnée par Dieu to do something for God, pour faire quelque chose pour Dieu. And he suffered the enemy to blind his eyes from the word of the living God and the commands of God. Mais il a subi les assauts de Satan, de ceux de l'ennemi, qui a rendu ses yeux aveugles à la parole du Dieu vivant et à ses commandements. And to the task that he was ordained of God to do, et au travail pour lequel il était ordonné par Dieu. Only to be spoiled in a hidden place for drunken, juste pour aller batifoler dans les lieux secrets pour ivrogne. Painted face, jewel decked, short wearing, bobbed hair woman. Des femmes au visage fardé. Ornées de bijoux. Aux vêtements courts. Aux cheveux très courts. Un man of the world. Et un homme du monde. A church that ought to be shining in the power and the strength of the Lord. Une église qui devait être en train de briller dans la puissance et la force de Dieu, plutôt du Seigneur. What a disgrace! Quelle disgrâce! C'est que le prophète vient de dire là. C'est l'image parfaite
parfaite de l'église de la Odyssée d'aujourd'hui. Si vous allez ce matin dans les églises de réveil, vous trouverez des femmes qui se disent chrétiennes, mais qui se présentent comme ceci. Vous avez même peur de regarder leur visage deux fois. Avec des lèvres bleues, des yeux fardés. Vraiment, une drôle de présentation. Et quand je dis cela, une sœur peut s'asseoir ici et dire: oh, gloire soit rendue à Dieu. Moi, je n'ai pas de phare. Je n'ai pas de tiré. Je n'ai pas de rouge à lèvres. Mais attendez un moment. En face de cela, qu'est-ce que donc nous devons faire lorsque il y a problème? On doit faire quoi? Le prophète nous en donne la clé. Dans une autre prédication, toujours portant sur Samson, il a prêché ça. Il a prêché sur Samson plusieurs fois. En variant un peu les titres, c'est toujours sur Samson. Il dit: just one more time, Lord. Encore une fois seulement, Seigneur. Prêcher ici maintenant le 20 janvier. Le 20 janvier 1963. 20 janvier 63, au paragraphe 113. Écoutez bien ça. Alors là, c'est l'état d'esprit que Dieu demande déjà à chacun de nous d'avoir maintenant. Il dit ceci: but Samson prayed right. Prayed right when he said. Mais Samson a prié correctement quand il a dit: Lord, let me die with these Philistines. Seigneur, laisse-moi mourir avec ces Philistins. Les démons qui ont gagné ma vie. Hiral felt, il avait failli. But let me die. Mais il dit: laisse-moi mourir. You must be ready to die to the enemy that God the victory, this victory over you. Tu dois être prêt à mourir vis-à-vis de cet ennemi qui a remporté la victoire sur toi. You must be willing to surrender your own ideas. Tu dois être prêt à abandonner tes propres idées. Vous entendez cela? Samson was willing to pay the price. Samson voulait payer le prix. To get the power of God again. Pour avoir la puissance de Dieu de nouveau. Voilà ce que nous devons avoir comme état d'esprit. Nous devons être prêts à payer le prix. Accepter d'abandonner nos propres idées. Et ensuite, accepter de mourir à l'ennemi qui a gagné notre vie. Ça peut être le mensonge, l'adultère, le désordre, l'irrespect, l'impolitesse. Ça peut être l'indécence. Ça peut être le vol des dîmes et offrandes, peu importe. Mais peu importe l'ennemi dont il est question, quiconque veut aller au ciel doit accepter de mourir avec ce Philistin-là. Alors, pour corriger donc la chose, qu'est-ce que nous devons faire? Je vous le montre point par point. Point par point. Premièrement, nous devons commencer par aimer Dieu. Frère m'a dit une fois à propos de Samson. Les gens se sont posé des questions au sujet de Samson. Ils voulaient savoir le secret de sa puissance. Et il y en a qui sont mis donc à développer leurs muscles.
par l'exercice afin d'avoir la même sorte de charpente que Samson et avoir la force que Samson avait. Mais ça ne marchait pas. D'autres ont essayé d'autres stratagèmes. Ça ne marchait pas. Le prophète dit alors, arrêtez d'essayer les stratagèmes. Aimez seulement Dieu. L'effort de l'homme ne peut pas produire quelque chose. Mais c'est Dieu qui fait toutes les choses. Et la Bible de dire, toute grâce excellente vient du Père des Lumières. Donc, toute grâce vient de Dieu. Que ce soit une grâce dans le domaine physique, dans le domaine financier, dans le domaine spirituel, peu importe la chose, toute grâce vient de Dieu. Vous ne pouvez pas arracher une grâce que Dieu a donnée à quelqu'un. Vous pouvez l'injurier, le salir, faire ce que vous voulez. Mais tout ce que vous ferez ne pourra pas arracher cette grâce. Parce que quand Dieu a décidé d'élever quelqu'un, il sait ce qu'il est en train de faire. Amen. Aimez Dieu. N'arrêtez jamais d'aimer Dieu. Tenez mes amis, avant que je n'aille plus loin, dans nos maisons, dans nos familles, nos pères nous tapaient quand nous grandissions. Nos pères nous punissaient. Et parfois c'était des punitions très sévères, vous vous rappelez? Mais nous n'avons jamais cessé d'aimer nos pères. Parce que quand nous avons grandi un peu, nous nous sommes rendus compte que quand nos pères nous tapaient et nous punissaient, ce n'est pas parce qu'ils ne nous aimaient pas, mais c'était simplement parce qu'ils nous aimaient et voulaient faire de nous des hommes. Et c'est la même chose avec Dieu. Parfois, il te prive de sa face. Tu ne vois plus aucun songe, plus aucune vision. Tu n'entends pas sa voix. Les autres témoignent, mais pas toi. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il te fait perdre ton travail. Il bouscule ceci. Il bouscule cela. Il sait ce qu'il est en train de faire. Et la Bible ajoute, toutes les choses, bonnes ou mauvaises, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Au départ, on ne comprend pas. C'est après qu'on comprend. Mais pas avant. Aimer Dieu. C'est-à-dire, même si je n'ai pas de force, mais je dirais seulement au Seigneur, Seigneur, je t'aime. Tu peux me tuer si tu veux. Tu peux m'envoyer en enfer si tu veux. Mais moi, je vais te dire une chose. Même si tu me prends, tu m'envoies en enfer. Jusqu'en enfer, je continuerai à t'aimer. Je veux que chacun dise amen. Aimez Dieu, ne vous arrêtez pas d'aimer Dieu. Et vous devez aimer Dieu au-dessus de toutes les choses. L'Ancien Testament dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Et Moïse ajoute, de toutes tes forces. Ça, ce n'est pas l'Ancien Testament que cela avait été dit. Aimer Dieu, c'est un point capital. Même si les gens se moquent de toi et qu'on dise que tu es devenu comme une femme, que tu es un garçon qui n'est pas à la mode, mais à cause de l'amour de Dieu, laisse les gens t'injurier comme ça. N'abandonne pas. Aimez
Les gens qui sont à la mode là, quand arrive l'heure de la mort, la mode ne pourra pas l'aider. Il te dira, mais toi aussi qui aimes Dieu, quand arrive l'heure de la mort, tu mourras quand même. C'est vrai. Mais il y a une différence entre toi et moi. C'est que quand on va arriver à la rivière, moi j'ai quelqu'un qui viendra me prendre. Mais toi, alléluia. C'est ça la différence. Alors, dans 1 Jean chapitre 4, verset 16. 1 Jean 4, verset 16. Frère, aimez Dieu, j'insiste. Même si. J'insiste. Même si tu n'arrives pas à marcher, mais commence d'abord là. Aime Dieu. C'est-à-dire, même si ce matin, avant de venir ici, tu as pris de l'alcool, viens avec ton odeur d'alcool. Mais dans ton cœur, aime Dieu. N'arrête pas, aime Dieu. S'il y a une voix, pendant que je parle, qui te dit, oh non, ça c'est pour les autres, ce n'est pas pour toi, rappelle-toi, ça ne peut pas être le Saint-Esprit. Cette voix-là, c'est le diable, parce qu'il ne veut pas que tu prêtes l'oreille à la vérité. Maintenant tu dois dire à Satan, ce n'est plus le temps de t'écouter. 1 Jean 4 verset 16, il est écrit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Il n'a peut-être pas de force, il n'arrive peut-être pas à accomplir toute la justice que vous savez qu'accomplir, mais il aime Dieu. C'est très important. C'est le point de départ. Et le prophète ajoute, vraiment, je sens que je dois tout dire. Frère ajoute, je ne peux pas aimer Dieu comme je l'aime et être un démon. Ce n'est pas possible. Dans 1 Jean 5, verset 3. 1 Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Le premier passage nous a dit, Dieu est amour. Est. Faut madame dit, c'est le verbe être. Il complète. Il dit, c'est l'essence même de Dieu. Il ajoute, c'est la nature même de Dieu. Donc si vous voulez savoir qui est Dieu, il est amour. Vous voulez le trouver, regardez le cœur qui a l'amour. Dieu habite le cœur qui a l'amour. Le second passage nous dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Comment saurais-je que j'ai l'amour de Dieu? Ou comment ferais-je pour avoir l'amour de Dieu? Je dois prendre ses commandements, c'est-à-dire sa parole, placée dans mon cœur, et au mieux de moi-même, je vis d'après cette parole-là. Quand je marche en accomplissant cette parole-là, alors Dieu dit que je suis en train de garder ses commandements. Vous voyez? Même s'il arrive un moment où je faillis, mais je ne l'ai pas fait exprès. C'est arrivé, mais ce n'est pas cela mon désir. Alors je vais et je demande pardon. Il y a un autre passage très important. Jude 1,
Le verset 21. Jude 1, le verset 21. Là, il y a quelque chose que je veux vraiment vous montrer. Il est écrit: maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ah oui. Maintenant, nous nous attendons à Dieu pour la vie éternelle. La promesse est qu'il viendra nous prendre et nous amener avec lui. Nous attendons cela. Donc nous sommes dans cette période. Alors, dans cette période, la loi de Dieu nous conseille de nous maintenir dans l'amour. Se maintenir. Se maintenir. Il y a des mécaniciens ici. Ou des gens qui font des réparations, des appareils et autres. Quand on parle de maintenir quelque chose, il faut mettre une pression. Il faut visser. Il faut attacher, mettre un collier. Ou mettre une barre au-dessus pour faire la pression. Mais pourquoi on doit mettre la pression? Parce qu'en dessous, il y a une autre force qui veut rejeter cette pièce. Si vous ne vissez pas, elle va sauter. Si vous n'attachez pas, elle partira. Et si Dieu nous dit de nous maintenir dans l'amour, cela revient à dire que ça ne sera pas un jeu d'enfant. Ça sera des épreuves. Épreuves sur épreuves. Les gens vont t'insulter. Les gens vont te piquer. Les gens vont te voler. Les gens vont te blesser. Ils te feront du mal. Même des plus proches parents. Mais malgré cela, tu dois être capable de dire: Seigneur, je pardonne et je l'aime. Amen. Si Dieu dit maintenir, il est conscient que ça ne sera pas facile. Il est aussi conscient que la chair de l'humain réagira toujours qu'on le veuille ou pas. Mais maintenant, la capacité de se maintenir et de garder l'amour, c'est ça qui sera ta victoire. Autrement dit, comment on fait? Comment on fait? Si quelqu'un t'a fait du mal, ça t'a tellement blessé et tu as envie de répondre ou de mal agir, c'est en ce moment-là qu'il faut se mettre à genoux. Cherche un endroit quelque part. Mets-toi là et prie. Dis à Dieu ce qui s'est passé. Dis: Seigneur, voici ce que j'ai vécu. Il m'a été fait ça, ça et ça. Et Seigneur, j'ai du mal à le supporter. Dites-le. Mais je t'en prie, je ne veux pas haïr mon bien-aimé ou ma bien-aimée, quoique ma chair me le demande, mais je ne veux pas le faire. Aide-moi. Voici ma main levée. Ça va faire bientôt 30 ans de ministère. Je vous le dis, avant que vous n'ayez dit amen, la colère est partie. Et quand vous regardez la personne, vous avez plutôt pitié d'elle. Il y a plus de colère. Voilà comment on fait. C'est comme ça. Dans la brochure, ne l'oubliez pas. Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Là, c'est prêché le 18 avril 1865, au paragraphe 196.
Il est écrit, paragraphe 196. Ne vous sentez-vous pas bien? Nous nous sommes engagés de nouveau, sachant que dans nos cœurs, nous avons été vivifiés d'entre les morts. Cela ne nous rend-il pas heureux? Suivez très bien maintenant. Oh, je vous aime d'un amour immortel. Je vous aime d'un amour immortel. Quel que soit ce qui va arriver entre nous, l'amour la reste. Ça reste. Si vous ne sentez pas ça, vous n'êtes pas prêt. Écoutez, aimez-vous les uns les autres. Vous ne pouvez pas ne pas aimer votre frère que vous voyez. Est-il que vous aimez Dieu que vous n'avez jamais vu? Aimez-vous donc les uns les autres. Lorsque vous vous servez les uns les autres, c'est Dieu que vous servez. Et est-ce juste? Tout ce que vous faites à l'un de ses plus petits, qui a la puissance vivifiante en lui, c'est à moi que vous l'avez fait. Voyez-vous, vous ne pouvez pas dire j'aime Dieu, j'aime Dieu. Mais il y a des gens de votre famille que vous n'aimez pas. Laissons seulement les frères d'abord de côté, mais les gens de la famille. Il y en a que vous n'aimez pas. Attendez. Il est possible que vous ne soyez pas d'accord avec quelqu'un sur un point. Vous devez le lui dire. Si vous êtes conduit. Mais, quoi qu'il en soit, il ne faut jamais arrêter d'aimer les gens. On ne vous dit pas d'aller chez eux tous les jours pour manger. On vous dit seulement dans votre cœur de garder l'amour vis-à-vis des gens, même le pire d'entre eux dans vos familles. Ne pensez pas qu'il ne s'agit seulement que des frères en Christ. Même les païens aussi, tout le monde a droit à l'amour. Chaque être humain sur la terre a droit à l'amour. Chaque être humain, même le plus violent. Celui qui est violent, quand il pose son acte de violence, il y a quelque chose qui l'anime. Lorsque cette chose s'en va, il regrette son acte. Ainsi, nous devons donner à chacun une chance. Nous devons donner à chacun le bénéfice du doute. L'occasion de croire que cette personne peut s'améliorer. Voyez-vous, ça c'est la première chose. La deuxième chose, en parlant, s'il vous plaît, de la première chose, à cause de l'amour de Dieu, ne retenez pas aux gens un quelconque péché. Pardonnez. La Bible dit, si tu te fâches contre ton frère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère, pardonnez. Si vous ne pardonnez pas, vous traduisez que vous n'avez pas une nature divine. Pardonnez. Si la chose est tellement douloureuse, elle vous fait pleurer, vous avez raison de pleurer. Mais allez pleurer devant Dieu. Mais ne cherchez pas à détruire l'autre personne sous prétexte que non, elle doit payer ce qu'elle m'a fait. Si tu veux faire payer à quelqu'un quelque chose, ça signifie que toi tu es devenu justicier. Donc tu prends la place de Dieu. Un jour, je vous parle comme un ancien. Frère Branham prêchait dans un endroit. Et pendant les pauses, il allait manger dans un restaurant avant le culte suivant. Ce restaurant-là était tenu par des chrétiens.
Alors le dimanche arrive, ces chrétiens-là ont fermé leur restaurant et sont allés à l'église. Branham ne pouvait plus aller manger là-bas. Mais il avait faim entre deux services. Il voulait donc trouver quelque chose à manger. Il est donc allé dans un autre endroit où il n'allait pas pendant ces réunions-là. Quand il rentre là, il trouve des gens qui jouaient au jeu d'argent. Et il trouve une vieille femme habillée comme une prostituée. Et il y avait un homme qui était là qui n'était pas son mari. Et qui jouait avec elle, faisait tout avec elle. Branham a eu tellement mal au cœur. Il s'est retiré derrière une porte. Le voilà qui prie. Il dit ceci à Dieu. Seigneur, comment tu peux supporter cela? Déjà si moi un être humain, un homme, je n'arrive pas à supporter ça. Toi tu fais comment pour supporter ça? Mais envoie ta puissance, je ne sais pas quoi, détruis ces gens. Efface-les de la terre. Sur place, une vision tombe. Quand la vision tombe, il voit des péchés nombreux qui tournaient autour, qui quittaient la terre pour monter. Mais tout autour de la terre, il y avait une couche de sang. Quand ces péchés voulaient monter vers Dieu, cette couche de sang empêchait les péchés de partir. Mais il y en avait tellement, ces péchés-là. Alors lui, Branham pose la question. Seigneur, est-ce les péchés du monde? Ce que je vois là. Dieu lui dit non. Tout ce que tu vois comme péché là, ce sont seulement tes péchés à toi. Tout ce que tu vois là, c'est tes péchés à toi, Branham. Alors il change sa prière. Oh Dieu, pardonne-moi. Et la voix lui dit, tu demandais que je détruise cette femme. Qu'en est-il de toi? Elle aussi a droit à la miséricorde. Va lui parler. Donc il a attendu que l'homme qui était avec cette vieille femme s'en aille. Quand l'homme s'est déplacé, William Branham s'est rapproché. La femme va penser que là il a eu encore un autre amant. Mais celui-là est venu avec l'évangile. Frère, je vous dis, il a formellement parlé à cette femme pendant quelques minutes. La femme a pleuré. Elle s'est repentie et a donné sa vie à Christ. Vous voyez? Qui pouvait savoir qu'une prostituée comme ça pouvait donner sa vie à Christ? Pardonner, enlever la haine, l'amour de Dieu ne peut pas marcher avec la haine. Dans un cœur, quand l'amour entre, la haine sort. Si la haine entre, l'amour sort. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Pardonner, aimer. Même si tu vois quelque chose qui t'appartenait entre les mains d'un voleur là-bas, fais quelque chose pour reprendre ça si tu veux. Mais ne le tue pas. Il a droit à la vie. Il a trop pardon. Aimer Dieu. Et vous aimerez également ses créations, ses créatures. Deuxième point. Travailler pour son salut avec crainte et tremblement. Travailler pour son salut avec crainte et tremblement. Nous allons dans Philippiens 2. Le verset 12. Là, il est écrit. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent.
Vivons la parole, mais pas par crainte du pasteur. Pas par crainte des diacres. Pas par crainte des autres frères et sœurs. Mais pour ne pas perdre notre salut. Vous savez, même s'il y a quelques-uns ici qui ne seraient pas encore sauvés, mais le fait que vous soyez déjà présent ici est un grand pas. Il ne faut pas perdre cela. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire? Consolider cet avantage en veillant à ce que nous faisons. Veillant à ce que nous faisons. Celui qui parle dans ce passage, c'est l'apôtre Paul. Pouvez-vous imaginer un homme comme Paul, dont tous ici nous avons la certitude que c'est un fils de Dieu, un élu, il est sauvé. C'était même le messager d'un âge. Le premier âge en plus. Il parle comme ça. Il a peur pour son salut. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? J'ai même vu des gens une fois indexer des diacres comme ça, du doigt. Est-ce que vous savez que le diacre est une autorité de Dieu? Quand l'onction est sur lui pour ce travail-là, c'est Dieu qui est derrière lui. Tout ce que vous faites contre lui, qu'il ait raison ou tort, vous le faites contre Dieu. Aux États-Unis, tu lèves la main contre un diacre, tu vas en prison. La loi te prend. Ça, ce sont les hommes qui ont établi. Qu'en est-il de Dieu? Mes frères, dans notre vie, vous savez qu'il y a des gens qui se sont retrouvés maudits. C'est courant au Congo, hein? Parce que dans le passé, ils ont manqué du respect à leur père et mère. Ils injuriaient leur père, tapaient leur mère, manquaient du respect. La pauvre maman ne pouvait rien faire. Lui, il est fort. Il faisait ce qu'il voulait. Aujourd'hui, on est où? On est à 30, 40, 50 ans, pas de travail. Pas de mariage. Mais essayez de regarder le passé. Si les hommes, même qui ne sont pas sorciers, quand vous leur manquez du respect, ça produit un tel effet. Qu'en est-il d'un oint de Dieu? Travaillons pour notre salut avec crainte et tremblement. Ça, c'est Paul qui parle, le messager de l'âge. Paul, messager du premier âge, a parlé ainsi. William Branham aussi parle comme ça. William Branham, lui, le messager du dernier âge. L'âge où toute la parole devait être révélée. Tous les secrets de la Bible dévoilés. Il est évident que Dieu ne pouvait pas confier de tels secrets à quelqu'un qui ne lui appartenait pas. Donc nous croyons que Branham appartenait à Dieu. Mais il pouvait quand même dire: je travaille pour mon salut avec crainte et tremblement. Toi, Branham, on a vu la colonne de feu, on a vu la nuit, on a vu ceci. Comment tu peux dire ça? Il dit: le souverain reste toujours Dieu. Je vous prends cela. Dans la brochure, étroite est la porte. Étroite est la porte. C'est prêché le 1er mars
1959, 1er mars 1959, le paragraphe 134 jusqu'à 136. Là, il dit, et vous, mes bien-aimés, ce matin, écoutez bien, ce n'est pas moi qui ai inventé ceci. Je suis chargé de le dire. Ma responsabilité s'arrête là. Même si jamais de ma vie, je ne prêche un autre serment, cela est la vérité. Il y aura juste un petit nombre de personnes qui seront sauvées. Souvenez-vous simplement de cela. Juste un très petit nombre. Soyez l'un d'entre eux. Amen. Je m'arrête un instant là. Un très petit nombre par rapport aux 7 milliards d'habitants que la Terre a. Si je prends ce tabernacle, par rapport aux 7 milliards d'habitants que la Terre a, ça fait 0%. Nous sommes d'accord? Ça veut donc dire, ne regardez pas la foule là. Regardez-vous vous-même devant Dieu. C'est une question de foi. N'abdiquez pas, n'abandonnez pas. Croyez que vous allez arriver. Que rien ne vous décourage. Même si tu tombes, relève-toi. Dis, je vais essayer encore. Samson a dit, Seigneur, j'ai failli, c'est vrai. Je suis tombé, c'est vrai. Je suis devenu aveugle, c'est vrai. Je suis devenu faible, c'est vrai. Mais encore une fois seulement, Seigneur. Cette fois-ci, même si tu ne me laisses pas la vie, même si je dois mourir avec les Philistins, mais redonne-moi la force, même seulement une fois, et je vais te montrer que je resterai fidèle jusqu'à la mort. Amen. Alléluia. Voilà ce que doit dire tout enfant de Dieu. Que vous soyez ici, en Bota, à Brazzaville ou partout dans n'importe quel pays. C'est ce que vous devez dire. Ne vous arrêtez pas. Et je dis encore ici, et je parle farouchement, ne laissez aucun esprit vous arrêter. Quel que soit ce qui est arrivé, quel que soit ce que vous avez fait, dites à Dieu, Seigneur, je vais essayer encore. Amen. Frère Branham dit, si quelqu'un qui est tombé, là où il est couché, au fond de lui, il dit, Seigneur, je vais essayer encore de me relever, essayer de marcher encore. Le prophète sera preuve que dans cette personne, il y a la vie. Ce sont les morts qui ne tombent pas. Un mort ne peut pas tomber. Il est déjà étendu. Et une fois qu'il est étendu, il ne peut plus se relever. Mais c'est celui qui vit, qui peut tomber et se rendre compte qu'il est tombé. Et comprendre alors qu'il doit se relever. J'insiste. N'arrêtez pas. N'abandonnez pas. Essayez encore. Amen. Amen. Dans nos églises, s'il y a des frères blancs qui nous suivent, qu'ils comprennent ça. C'est comme ça en Afrique. Il y a des gens qui viennent adorer mais qui ne viennent pas pour prier. Ce sont des sorciers. Ils n'ont rien à voir avec l'évangile. Écoutez-moi très bien. Même s'il y en avait ici, ou n'importe où, ils ne pourront pas arrêter un élu d'avancer avec Dieu.
Parce qu'il crée la distraction quand la parole de Dieu sort pour que les élus ne la captent pas. Mais ils ne pourront pas arrêter un élu. Parce qu'on ne peut pas arrêter Dieu. Il est mieux de se repentir, monsieur le sorcier, et de chercher la vie éternelle. Alléluia. Je continue. Soyez l'un d'entre eux. Qui sont-ils, frère Branham? Je ne sais pas. Personne d'autre ne le sait. Nous travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Mais alignez-vous sur Dieu. La parole, alignez-vous sur la parole. Dieu. Alignez-vous sur Dieu. Si votre cœur ne bat pas à l'unisson avec cette Bible, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Peu importe ce que dit votre église, vous ne pouvez pas entrer en vous basant là-dessus. Vous devez entrer en vous basant sur ce que Dieu a dit. Voici le livre d'après lequel vous serez jugé. La Bible. Ne vous en écartez pas. Je vous en prie, ne vous en écartez pas. Voilà donc, il faut veiller à son salut. En d'autres termes, n'acceptez pas que quelqu'un vous amène faire quelque chose qui n'est pas la parole. Et vous-même aussi, n'essayez pas de dire je fais d'abord, ensuite j'irai me repentir. Est-ce que tu auras toujours le temps? Moi je n'ai pas besoin de te voir. Le diacre n'a pas besoin de te surprendre. Tu peux tromper le pasteur, tromper le diacre, mais tu ne pourras jamais tromper Dieu. Troisième point. Honorer tout le monde. Là, c'est là que les croyants du message mangent la poussière. C'est là. Je peux vous dire que c'est l'une des plus grandes difficultés dans le message. Les croyants du message passent leur temps sur la vie des autres. Toujours en train de faire des analyses sur les gens. De parler sur les gens et contre les gens. Mais ils prennent rarement le temps d'aller devant Dieu pour analyser leur propre vie. Donc vous ne voyez que les fautes des autres. Donc vous n'en commettez jamais. Mais si vous étiez tellement parfait, qu'est-ce que vous faites encore sur la terre? C'est là que le croyant du message mord de la poussière. Même les pasteurs. Nous avons vu ces choses depuis Koukabate, depuis la première église de Brazzaville, Koukabateke. La première église de Brazzaville, qui était dans la rue Koukabateke, au quartier Bakongo. C'était comme ça. Ce n'est pas une vie, mes frères. Quand tu vas démontrer à tout le monde qu'un tel est pécheur, en quoi ça t'aura avancé toi spirituellement? En quoi ça t'aura fait grandir toi? Vous voyez, c'est là le problème. Honorer tout le monde. Nous allons dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 17.
Même les gens avec qui on n'est pas d'accord, on doit les honorer. 1 Pierre 2, verset 17. Il est écrit, ça y est là à l'écran. Honorez tout le monde. Aimez les frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. Vous entendez ça? Il n'a rien laissé de côté. Tout le monde, même les païens, même ta famille qui ne croit pas, même celui que tu appelles ton ennemi, tu dois l'honorer. Aimez les frères. On n'a pas dit les frères sauf ou les frères seulement de mon église. Ceux qui ne sont pas avec nous, on ne les salue pas. La Bible ne dit pas ça. Rappelez-vous, frère, madame dit, vous n'allez pas rentrer sur la base de ce que vous dit votre église. Mais c'est sur la base de la parole. Je ne comprends pas, frère. Comment les enfants de Dieu se laissent embarquer dans des choses que même les églises de réveil comprennent facilement? Même les églises de réveil comprennent facilement. Écoutez bien. Aimez les frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. Vous entendez? C'est lui qui dirige. Dans les pays où il y a un roi, c'est le roi. Dans les pays où vous avez une république comme chez nous, c'est le président. Vous devez l'honorer. Si vous êtes un chrétien, en d'autres termes, il est tout à fait possible que vous soyez contre la politique du président. C'est naturel. Vous êtes un humain. Vous avez votre point de vue. Mais vous n'avez pas le droit de l'insulter, de l'injurier, de lui manquer du respect, ou alors de participer à des émeutes contre le pouvoir. Les agitations que les gens font là, le chrétien ne peut pas participer à ces choses-là. Traitez-moi de ce que vous voulez. Mais moi, je vous enseigne ce que dit la Bible et le message. Vous ne pouvez pas vous retrouver là, dans les émeutes, dans les mouvements contre le pouvoir. Non! C'est interdit! Le Fils de Dieu. Tu vas aller faire ça pourquoi? Est-ce que ton royaume est d'ici bas? Alléluia. Ce que je vous dis, mes frères, c'est la main sur le cœur. Donc, le christianisme, ce n'est pas ce qu'on nous a présenté là. Quand il y a des pillages, on voit des prétendus chrétiens dans le lot. Dans les pillages, dans les mouvements, en train de casser les vitres des magasins, de casser les immeubles en ville et tout le reste. Ce n'est pas la parole. C'est contraire à la parole de Dieu. Je dis bien, c'est contraire au message de l'heure. Mais tu as le droit de dire, la politique ici, je ne suis pas d'accord. Et je crois savoir que dans tous les systèmes du monde, on a donné aux citoyens la possibilité d'écrire une lettre ouverte aux dirigeants. C'est pas ça? Puisque vous êtes si intelligent et que vous avez des idées très bonnes, faites une lettre ouverte, envoyez. Mais ne prenez pas des armes. N'entrez pas dans le maquis. Alléluia. Ne faites pas de révolution. Ici, c'est pas la Libye. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez, frère? Même la Bible dit, si vous faites ça, vous vivrez en paix. La Bible dit dans un autre passage, j'avance, honorez tout le
monte. Pardon, je reviens. Vous voyez? Quelque chose me dit de revenir. Quand les gens se rassemblent dans les quartiers pour parler politique, frère, déjà, ce n'est pas nécessaire. Parce que ça n'édifie pas. Ensuite, même si tu dois parler et donner un point de vue, n'injurie pas. Donne ton point de vue sur une idée concernant une politique ou un travail. N'injurie pas. N'incite pas à la violence ou à la colère. Si tu incites à la violence ou à la colère et qu'il y a mouvement et quelqu'un est blessé, même si ce n'est qu'une goutte de sang qui coule, tu seras tenu pour responsable devant Dieu. Est-ce que vous le saviez? Et honorer tout le monde. Ah, honorer en fait signifie tenir en estime. C'est-à-dire respecter. Ça veut donc dire parler en bien. Ça veut donc dire si vous savez quelque chose de mal, cachez-le. Priez seulement pour votre soeur ou votre frère. Personne d'autre ne doit le savoir. N'allez pas à l'oreille d'une autre soeur pour dire chut, chut, tu as entendu, tu as appris. Là, tu n'honores pas. Tu dénigres. Tu méprises. Tu noircis. Et tu pêches contre Dieu. Dans la brochure, le signe. Nabuku Kidim. Honorer tout le monde. La brochure, le signe. Kidimbu. Du 1er septembre 1960. Pardon, 63. 1er septembre 63. Il est dit ceci, au paragraphe 250, hein, vous avez cela à l'écran, suivez bien. Il est temps d'arrêter de vous quereller. Croyez le message de la Bible. Pourquoi les pasteurs passent leur temps à se quereller? Croyez Jésus-Christ. Et aimez-vous. Et honorez-vous. Et respectez-vous. Hommes, respectez vos femmes. Respectez votre foyer. Rassemblez votre maison. Parce que souvenez-vous, cet agneau était pour la maison. Pas seulement pour une personne, mais pour toute la maison qui devait être rassemblée. Tout devait avoir été rassemblé à l'intérieur. Nous devrions nous aimer les uns les autres. Et les croyants devraient se séparer du monde. Arrêtons de nous quereller. Croyons le message. Il est inutile de se lapider. Ça ne donne rien. Ça ne fait que séparer les cœurs. Mais comment deux cœurs qui ne s'aiment pas, deux cœurs qui se haïssent sur la terre, vont se retrouver tous les deux dans les cieux, ou tous les deux vont rater le ciel, ou l'un rentrera, l'autre restera? Arrêtons. Les pasteurs parfois essaient de comparer la taille de leurs églises. Et on dit d'un pasteur qu'il est grand parce qu'il a une grande église. Je ne crois pas ça. Je crois que la grandeur d'un ministère, c'est l'impact de ce ministère sur les cœurs. Même si ça ne fait que 5 personnes, l'impact de ce ministère sur les cœurs,
C'est ça la grandeur d'un ministère. Et Frère Branham dit, qu'est-ce qu'on appelle une bonne prédication? C'est une prédication à la fin de laquelle vous voyez l'impact que cela laisse sur les gens. L'impact du Christ que cela laisse sur les gens. Donc vous voyez, mais à quoi ça sert de diviser les gens? D'insulter les gens. Ça ne sert à rien. Parce que nous avons tous un seul juge. Il est là-haut. Nous ne savons pas ce qui va arriver ou pas. On ne sait pas. Croyez-moi. Dans la brochure, un super sens. Un super sens, c'est prêché le 27 décembre, 27 décembre 59, paragraphe 37. Frère Branham dit, si quelqu'un dit, sœur telle et telle, ou frère tel et tel, trois points de suspension. N'en croyez pas un seul mot. N'y donnez pas suite. Parce que souvenez-vous, c'est le diable qui essaie de vous détruire. De détruire qui? Pas celui qui te parle contre un autre, mais toi. Celui qui te parle contre un autre frère, il est déjà détruit. Le diable l'avait déjà eu. Maintenant, il devient un instrument de Satan pour détruire d'autres âmes. Et quand il vient vers toi, sœur telle a fait, frère telle a dit, frère telle, il est en train d'essayer de te détruire. Le messager dit te détruire toi. Maintenant, attendez-vous à ce qu'il cherche à s'introduire. Car il le fera. Laissez alors le maître de la maison. La foi se tenir juste là. Et ne recevez pas une seule chose. Écoutez ça. Ces gens de qui on parle mal ont été assis dans les lieux célestes avec vous. Vous avez eu communion ensemble autour des bénédictions de Dieu. Prenons la communion à la table ici. Et le Saint-Esprit a témoigné qu'ils sont les enfants de Dieu. Soyons donc pleins de douceur, bienveillants, indulgent. Vous comprenez ce que veut dire indulgent? Capable de comprendre un autre, de le supporter. Et aimant. Plein d'amour. Si l'autre personne dit du mal de vous, dites quelque chose de gentil à son sujet. Regardez alors comment cela deviendra plus doux pour vous. Voyez-vous, c'est juste. Rendez toujours le bien pour le mal. L'amour pour la haine. Quelqu'un vous fait du mal? Ne rendez pas le mal. Rendez-lui le bien. Et rappelez-vous, le mal engendre le mal. La violence engendre la violence. La haine engendre la haine. Mais l'amour engendre l'amour. Ne l'oubliez pas. Une autre chose. Ceci arrive souvent dans les églises lorsque il y a des visiteurs, des pasteurs qui arrivent visiter les églises. Et nous, pour ceux qui ont été avec moi dans la première église du message, ils vont se rappeler de ce que je vais lire. Souvent,
un visiteur qui arrivait, un pasteur qui venait de quelque part, s'il prêchait mieux que le pasteur qui était là, l'église rejetait le pasteur. Il y a quelqu'un qui était encore bateke ici avec moi. Il peut lever la main. Je vois une main là-bas. Qui était dans la première église de Brazza? Je vois une main ici. Je vois une main là-bas. Je vois une main là-bas. Frère, ce que j'ai dit là, c'est vrai, non? C'est ce qui s'est passé. Et finalement, c'est arrivé jusqu'aux bagarres. Un jour, la bagarre était tellement... À l'église, bagarre. On a soulevé le pasteur. Et il était gros, le pasteur, gros. Je dis bien gros. C'est-à-dire vous devez prendre Frère Didas fois 3. En tout cas, fois 2, sinon fois 3. Je n'exagère pas. Il était gros, sincèrement. À moins que j'exagère, sinon c'est fois 2, fois 3. Mais on l'a soulevé. Je ne sais pas si c'était un seul individu où est-ce qu'il avait eu la force. Il va jeter le pasteur derrière. Vous voyez là où nous sommes passés, frère. On a fait appel à la police. La police n'était pas arrivée. Mais on voulait attraper un prédicateur et l'amener à la police. Qu'est-ce qui arrive aux chrétiens? Qu'est-ce qui vous prend? Nous allons où, mes frères? Quand vous lisez le message, les brochures que vous aimez tant là, où est-ce que vous trouvez ça dans les brochures? Vous trouvez ça où? Entendez, ce que madame dit ceci. Dans la brochure, le respect. Ça s'est prêché le 15 octobre. 15 octobre 61. Le 15 octobre 61, Frère Madame dit, si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. C'est parfaitement juste. Voyez-vous, respectez-le. Si un prédicateur vient, un visiteur, vous prêchez ici par exemple, votre pasteur, respectez-le toujours. Sans vous interrompre, pardon, je vais aller. Quand je suis allé prêcher au Kenya, mon tout premier culte, j'arrive, je les salue, après, je leur dis ceci. Votre pasteur, c'est le pasteur Wycliffe, c'est comme ça qu'on l'appelle, je leur dis votre pasteur, il prêchait déjà l'évangile quand moi j'étais encore jeune ministre. Ils étaient étonnés. Il dit oui, ce n'est pas parce que je me trouve ici, ce n'est pas parce que je suis invité ici, c'est un ancien, un vieux routier, plus ancien que moi. Je le leur ai dit, mais ça n'enlève pas quelque chose à pasteur Francis. Ce que Dieu a fait au Kenya quand nous avons prêché, les frères même savent. Ça n'a rien enlevé. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? À la fin, le pasteur Wycliffe lui-même, il m'accompagne à l'aéroport. Il me dit, pasteur, la porte était ouverte, tu reviens quand tu veux. Est-ce qu'on dit ça à quelqu'un dont on n'a pas été convaincu? Mais quand je suis arrivé, j'ai d'abord honoré ce pasteur-là. C'est un ancien. J'ai beau être celui que je peux être, mais je ne peux pas oublier que celui-ci était un ancien. Les frères qui sont souvent avec moi, particulièrement Frère Didas, les jours que je serai abattu, il sera aussi abattu. Il a souvent constaté, si je croise un pasteur et que je sais que c'est un ancien, je l'appelle ancien. C'est pas vrai? Ah oui?
Mais il peut arriver qu'un enfant grandisse plus que son père. Bon, attendez, est-ce que moi j'ai la même taille que Mario? Il est plus grand de taille. Vous voyez? Si Dieu lui donne un visage un peu plus vieux, vous allez penser que c'est lui le papa. Parce qu'il est plus grand de taille. Mais le papa, c'est moi. Et il ne peut pas oublier. On peut monter, on peut descendre. Je resterai le papa. Même s'il grandit en âge, il ne me rattrapera jamais. Chaque fois qu'il grandit, je ne fais que grandir. Alléluia. En âge. Mais il peut arriver que lui grandisse financièrement, spirituellement, plus que moi. Et demain il soit plus fort que moi. Ça c'est possible. Mais même s'il arrive là, il ne doit jamais oublier que celui-ci c'est papa. Amen. J'avais un petit problème de famille à régler là. Je suis allé voir mon père. Il est juste là. Je lui ai dit, je suis venu te voir parce qu'on a une petite affaire de famille, c'est à toi de signer ici. Il dit, c'est toi le chef de famille, même si je suis le pasteur. Ça ne change rien. Est-ce que le fait que je sois... Il soit chef de famille, ça m'enlève le pastorat? Mais non! Branham avait eu sa mère dans l'église. Il faut honorer, respecter tout le monde. Les anciens respectent le peu importe ce que vous êtes devenu. Respectez-les. Respectez-les. Faut maintenant continuer. J'ai entendu des congrégations parler de leur pasteur. Parlant de lui en le dénigrant. Et le ridiculisant. Comment ce pasteur pourra-t-il faire quelque chose pour vous? Il ne le peut pas. Je ne parle pas de cette église, mais je parle d'église que j'ai visitée. Vous devez aimer votre pasteur. Vous devez savoir qu'il est un être humain. Mais pourtant Dieu en a fait son pasteur. Le Saint-Esprit en a fait un surveillant. Vous devez alors le respecter de cette manière. Peu importe ce que le pasteur a fait. Alléluia. Amen. Si vous le respectez dans votre cœur, comme serviteur de Dieu, Dieu vous respectera pour l'avoir fait. Ne parlez jamais en mal d'un serviteur de Dieu. Même si il n'est pas votre pasteur, même si il est d'une autre église, même si il est dans les dénominations, tant qu'il sert Dieu, qu'il le serve bien ou mal, c'est pas toi le juge. Toi donne-lui l'honneur qui lui est dû par rapport à son rang. Respecte-le. Mais si tu ne crois pas sa doctrine, tu es libre de dire ça, je ne crois pas. Vous comprenez? Mais tu n'as pas le droit de l'injurier, de le dénigrer, de le ridiculiser, ou d'aller de lieu en lieu parlant mal de lui. Ah frère, pose-toi d'abord la question. Est-ce que ce que tu penses là est vrai? Et si c'était vrai, est-ce que tu penses que Dieu ne le sait pas? Et est-ce que tu penses que Dieu ne l'avait pas su avant? Mais pourquoi Dieu en a-t-il fait son pasteur bien qu'il le savait? Ah frère, la crainte de Dieu.
La crainte de Dieu, mes amis. S'il arrive qu'un frère a fait quelque chose de mal, la Bible dit, rassemblez-vous, priez pour lui. Combien prie? Quand vous entendez qu'un tel a fait ceci, a fait cela, combien prie? Nous ne prions pas, mais nous rapportons. Nous ajoutons. Nous expliquons. Nous commentons. Nous séparons davantage les cœurs. Jésus n'a-t-il pas dit dans les béatitudes? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ceux qui procurent et ceux qui ne procurent pas la paix, mais plutôt la division. On va les appeler comment? Non, je ne sais pas, Jésus n'avait pas dit. Jésus n'avait pas dit. Parfois, il se repentira. Mais le Fils de Dieu ne sème pas la division. Quatrième point. Vous savez, la livraison au diable, c'est le prophète qui nous l'a enseigné. Dans son église, pendant plus de 30 ans de ministère, il n'a jamais livré quelqu'un à Satan. Jamais. Mais nous, on a des églises du message où les livraisons se font par conteneur. Parce que nous ne voulons pas prier pour les gens. La livraison au diable n'est pas un règlement de compte. C'est une procédure d'amour. À la base, ça doit d'abord être l'amour. Voilà pourquoi les gens qui ont souvent été livrés au diable dans les églises ne sont pas punis par Dieu. Parce que c'est la haine qui nous anime souvent. On se sépare de quelqu'un et on le livre au diable parce que vous avez une dent contre cette personne. Quatrième point. Suivez-moi bien. Mes sœurs en particulier. Vous me suivez? Le vestimentaire. Mes amis, j'ai dit, je veux parler à cœur ouvert. Afin de permettre à chacun de savoir exactement ce qu'il doit faire. Vestimentaire. Notre prophète nous a dit, si vous voulez connaître l'état d'une église, regardez du côté des sœurs. Or, dans les églises du message, et même ici, le vestimentaire est en train de nous échapper. Frère Branham, à son époque, avait le même problème. Une fois, il a même demandé à l'assemblée, dites-moi ce que je peux faire. Je prêche, mais les gens continuent à faire la même chose. Aujourd'hui, je reviens d'abord. Je parle d'abord. Je mets d'abord le doigt là où il faut. Le message interdit le port des jupes ou des robes courtes. Les robes et les jupes qui ne dépassent pas les genoux, c'est interdit. Dieu ne veut pas que ses filles mettent de tels vêtements. Ça doit dépasser les genoux. Le message interdit le port de vêtements moulants. Ça suit le corps. Ça dessine les formes de la femme.
C'est interdit. Sangu men niminaya. Je préfère que Frère Branham nous le dise avec ses mots. Muzolatin kasi Branham zonzane bampova ya yandi. Question réponse. Que vous pouvez vous tout. Du 23 août 1964. Question réponse du 23 août 1964. Prêché le matin. Cette brochure-là s'appelle encore Question réponse numéro 1 de 1964. Vous me comprenez? Ça s'appelle encore comme ça. Et dans le COD, les deux volumes qui rassemblent toutes les questions-réponses, vous trouverez cela à la page 770. Ça y est là à l'écran, je crois. Ils vont mettre ça. À la page 770. Et la question que nous allons prendre, c'est la question numéro 244. La question numéro 244 dans le livre. Et le paragraphe 135. Donc je vous ai donné la référence complète. Parce que je veux la précision. Vous comprenez? Je ne veux plus qu'il y ait des doutes ou des histoires, non. La précision, vous irez fouiller. Si vous n'avez pas, en sortant, vous pouvez demander aux administrateurs, ils ont le livre. Le COD, ils en ont. Et il peut vous donner, vous pouvez même vérifier la page là sur place. Vous pouvez aller à la bibliothèque La Voix de Dieu. Vous trouverez ce COD là en français. Et vous consultez à la page que j'ai indiquée. Je vous ai pris la page en français. Donc là, je donne les références en français pour vous. Je vous dis, je tiens à ce qu'il n'y ait plus de doute. Frère Branham dit alors. On lui pose la question est là. Frère Branham, que pensez-vous de nos... je me rappelle avoir lu celle-ci. J'allais la garder pour plus tard. Mais je pense que je ferai aussi bien de la lire. C'est une écriture de femme. Elle doit venir du Kentucky. Parce qu'elle a ça sur un reçu de la Cosmos Portland Cement. Elle a ça sur un reçu de Cosmos, dis seulement ça. Frère Branham. Merci Branham. Que pensez-vous de nos sœurs dans l'église qui portent des robes aussi courtes? Cela ne gâche-t-il pas notre témoignage? Et cela ne donne-t-il pas le mauvais exemple aux jeunes de notre église ici? Cela semble tellement... De voir une jeune, de voir une adulte porter une robe si courte que cela montre ses genoux quand elle marche. Parfois même quand elle s'assoit. On a tellement criqué la robe, il manque des centimètres pour couvrir les genoux. Le prophète dit ceci. Qui que vous soyez, sœur ou frère, qui que vous soyez, je suis d'accord avec vous à 100%. C'est une honte. Mais dites-moi ce qu'il faut faire. Je le presse de toutes mes forces. Elles le font quand même. Alors c'est leur jugement. Puisque la parole a été proclamée. Vous avez entendu le message? Très peu seulement monté par terre. Oui, je suis certainement contre ces robes. Je suis certainement contre ces robes qui collent à la peau et qui ressemblent à... Je dois constamment reprendre mes enfants. Becky et Sarah. Peu importe combien elles sont jeunes. Je les reprends tout le temps. Donc elles le faisaient. Tout le. Je pense qu'elles portent même leur robe.
Mais d'apprendre qui a parlé tous les jours à cause de ça. Meda. Meda. Appelle Beki à part pour la réprimander tous les jours à cause de ça. Vous voyez, des robes qui montent jusque. En effet, les enfants, on peut s'attendre à ça de la part des enfants. Et on doit les corriger. Mais quand il s'agit d'une femme, là, quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Les robes qui collent à la peau, ça dessine tes sous-vêtements. C'est ça la mode d'aujourd'hui. C'est un péché. C'est une souillure. C'est de la disgrâce devant Dieu. Regarde ta chute pour ta robe avant de sortir. Ça ne doit pas dessiner tes sous-vêtements. Voilà pourquoi ça doit être correctement ample. Les anciennes chrétiennes portaient des vêtements plutôt amples. Comme les genres de jupes que portaient les boulangères de France à l'époque. Mais c'est vrai. La jupe, elle est plissée. Mais elle est ample. Ça s'appelle une jupe paysanne. Et ça ne dessine pas les formes de la femme. Et ça fait donc que la femme ne sera pas accusée d'adultère devant Dieu. Ça ne doit pas dessiner les formes, c'est interdit. La décence va à quitter les gens. Les jupes courtes. Il y a un nouveau genre de jupes et de robes qui sont sortis actuellement. Qui s'arrêtent juste aux genoux. Juste. Non, je parle d'abord de ce que les chrétiennes font. Les gens du monde nous comprenons. Mais les chrétiennes, donc juste aux genoux. Si elle est debout, tu lui accordes le bénéfice du doute. Dès qu'elle s'assoit, le doute disparaît. Mes frères, mes sœurs, nous avons la responsabilité. Papa a une responsabilité sur sa femme et sur les enfants. Maman a une responsabilité sur les enfants. Les enfants ont une responsabilité sur eux-mêmes devant Dieu. Donc nous devons regarder, revoir la jupe. Quand nous allons rentrer à la maison, ouvrez votre garde-linge. Il y a même des tissus en fait qui ne conviennent pas aux chrétiennes. Parce que ces tissus-là vont toujours coller à la peau. Toujours. Et vous aurez des ennuis devant Dieu. Mes soeurs, je suis en train de vous dire. C'est vraiment du sérieux. Je suis en train de vous dire. Évitons des problèmes. Là, c'est un avertissement que Dieu nous donne. Parce que ces tissus-là sont comme des tissus des survêtements. Comment on appelle ce genre de tissu-là? Les gens de Celestone, je ne sais pas trop comment. Ça. Pété. Comment? Stretch. Oui, en dehors de ça, il y a aussi des trucs qui sont comme des jogging en tissu. C'est ça? Donc, peu importe, mais ça colle, ça va tout.
toujours collé à la peau. Parfois ça peut laisser un peu de mou, c'est vrai. Mais ça va dessiner. Ça donne le même message. Frère Branham continue. Dans la brochure, le patriarche Abraham. Le patriarche Abraham. Je répète, c'est les vêtements amples que Dieu veut et qui dépassent les genoux. Ça ne doit pas te serrer et dessiner tes formes, c'est interdit. Et en entrant là, en parlant de ça, même votre mode popo ne marche pas. Vous connaissez les modes popo? C'est la manière dont la femme africaine s'habille de coutume. Ça ne convient pas à Dieu. Ce n'est pas le tissu, c'est la couture. Parce que ça donne le même effet que les vêtements moulants. Vous comprenez? Ce qui fait que normalement, si vous voulez utiliser ça, veillez à faire des modèles qui soient amples. Mais quand je dis ample, ça ne veut pas dire que vous allez ressembler à des paysannes. Mes soeurs, je vous dis, c'est une affaire de salut. Je mets la main sur le cœur. Il ne faut pas que ça dessine vos formes. Et il ne faut pas que ça dessine quelque chose de vos sous-vêtements. Je continue. Dans le patriarche Abraham, c'est prêché le 7 février 64. Paragraphe 35 et 36. En passant, j'ai dit, pour quelle raison une fille chrétienne voudrait-elle montrer son jupon? Je ne peux comprendre cela. Vous êtes né de nouveau de Dieu. Vous avez la beauté de l'Esprit Saint. Pour montrer ce que vous êtes. Vous l'êtes. Vous avez une vertu que ces jupes scandales n'ont pas. Pourquoi vous voulez montrer votre jupon? Arrêtons-nous là un instant. Qu'est-ce qui peut faire qu'un jupon soit visible? C'est la transparence du tissu. Le tissu qu'on met au-dessus. S'il est transparent, on va voir le jupon. Ces robes-là sont répandues partout. Où la femme marche, vous voyez son jupon. Et vous voyez même plus loin. Vous voyez que les gens sont en train en plein de se plonger dans le satanisme sans s'en rendre compte. Des filles de Dieu qui disaient je m'en vais à l'enlèvement, mais dans le péché, il y a des tissus qui ne sont pas par définition transparents. Mais dès que tu te mets devant une porte, la lumière fait voir tout. Est-ce que ça aussi c'est bon? Pourquoi les enfants de Dieu sont devenus si légers et si légères pour penser qu'elles peuvent aller montrer leur nudité à n'importe qui? Ces gens de robes et de jupes là, qu'est-ce que ça fait dans ton garde-linge? Vous pensez que c'était seulement la question des pantalons? Non, la femme ne met pas les pantalons, donc ça va, c'est ok. Mais il y a aussi ça. Les robes et les jupes transparentes. Les tissus trop fins, trop légers. Et ça laisse voir le corps, les sous-vêtements. C'est un péché, mes frères et mes soeurs. Il y en a d'autres.
Quand elles viennent à l'église, elles mettent les robes mode popo, tout ça, tout ça. À la cité, on met d'autres tenues. Vous trompez qui? Nous sommes en train d'aller au ciel. Vous avez entendu? Seigneur, de tous ces nombres-là, il n'y a que ceux-là. C'est ça le problème. Nous péchons sans nous en rendre compte quelquefois. J'insiste, même votre mot de popo, ce que vous appelez les kanzako, la couture africaine normale là, si ça suit le corps, c'est un péché. Alléluia. Alors vous me direz, pasteur, donc moi, une maman comme moi, je dois encore aller porter les jupes? Mais c'est un vêtement de femme. C'est un vêtement de femme. Pourquoi faire pécher les enfants de Dieu à te regarder en te convoitant? La Bible dit dans Matthieu 5, verset 28. Mais moi je vous dis, Matthieu 5, 28, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis avec elle, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Parce que vous l'avez juste regardé pour la convoiter. Et Dieu considère cela comme un adultère. Donc Dieu veut des jupes longues. Longues jusqu'à où? L'exigence de Dieu, c'est que ça dépasse les genoux. C'est le minimum. Si vous pouvez faire mieux, eh bien ça sera mieux. Et ça ne doit pas être transparent. Ça ne doit pas être moulant. Non. C'est l'exigence de Dieu. Alors, en parlant de ça, inutile de parler de poitrine. Inutile de parler de poitrine. Vous avez tout compris. J'avance. Frère Madame dit dans la brochure, le filtre d'un homme qui réfléchit. Filtre, il y a montina qui banza kambote. Paragraphe, qu'est-ce que je dis? Prêché le 22 août 65. 22 août 65. Paragraphe 155. Écoutez ça. Écoutez ça. Et certaines de ces femmes sur l'estrade avec leur robe au-dessus des genoux, avec leur robe au-dessus des, l'exigence de Dieu, c'est que ça dépasse les genoux. Même quand vous vous asseyez, vous ne faites pas d'effort, parce qu'aujourd'hui ça devient quand on s'assoit, après on croise. Pourquoi tu croises les pieds? Tu es consciente. Que Dieu soit miséricordieux. Certaines de ces femmes sur l'estrade, avec leur robe au-dessus des genoux, c'est ajusté. Ça suit tellement le corps que cela met en évidence chaque forme, à chaque mouvement qu'elle fait. Et dont les sous-vêtements apparaissent à travers leur robe. C'est aussi mal que de porter des shorts, des bikinis ou quoi que ce soit d'autre. Vous, prédicateurs pentecôtistes, affaires de l'Odyssée, pendant combien de temps Dieu vous supportera-t-il? Je ne sais pas. Que Dieu ait pitié de vos yeux aveugles. Il a ce soir un collier pour ouvrir vos yeux afin que vous puissiez voir.
Vous avez entendu? Le vêtement tellement moulant, ça montre la forme du corps. À chaque pas, chaque mouvement que fait la femme, c'est une disgrâce. Ces genres de vêtements-là sont à brûler. N'allez pas essayer de dire, non, je donne à un tel. Tu lui donnes quoi? La mort. Ah, toi tu as droit à la vie, pas elle. Toi tu as découvert, donc elle, elle peut mourir. Brûlez-le. Pasteur, mais si je brûle ça, il ne me restera qu'une jupe. Restez avec cette jupe-là. Vivez la parole. Soyez correct. Les vêtements qui montrent les formes, même vos kanzakola. J'insiste. Sans exception, tout ce qui montre les formes, ça dessine la femme. C'est-à-dire, Dieu a besoin, quand on te voit, en fait, ça ne te dessine pas. Je me fais comprendre. Mais si ça te dessine, je n'ai pas d'écriture pour ça. Pour ce que je veux dire là. Mais je ne pense pas aussi que Dieu apprécie un homme qui se comporte comme ça. Avec des vêtements tellement serrés que ça souille le corps. Non. Dieu n'apprécie pas ça. Je crois que vous, un homme peut porter son tailleur sur mesure. Hein? Je comprends. Mais pas collé au corps. Je ne vois pas ça dans le prophète. J'ai dit bien, ça peut être un sur-mesure. Hein? Comme un dîne sur-mesure. Mais on n'a pas besoin d'avoir ça sur les golettes des pieds là, tout ça. Soyons chrétiens. Nous ne sommes pas en train de suivre la mode dans tous les sens. Là, c'est pas notre affaire. On a besoin d'être propre et décent, mais pas en train de suivre la mode. Je me fais comprendre. Cinquième point. Yatan. Les ongles et les chaussures. Banzaka. Pe basapad. Je vais mettre le doigt sur la plaie. Mufana simbambuta. Je vais d'abord dans le prophète. La brochure, l'église est sa condition. Buku. Dibundu na mbwandule andia bubuye. L'église, sa condition, il a prêché une seule fois. C'est le 5 août. 5 août 56. Paragraphe 131, il dit: lorsque je devrais me tenir là tout seul, devant Dieu, hein, que mon frère, mon pasteur, ma mère, mon père, ma femme et mes enfants seront partis. Oh Dieu! Que fais-je alors? Que vais-je faire alors, Seigneur? Que vais-je faire alors, Seigneur? Que vais-je faire alors? Cela peut arriver ce soir, avant le coucher du soleil. Mais que vais-je faire? Que puis-je faire? C'est ça notre question. Oh Christ! Oh Christ! Je veux prendre position pour toi maintenant. Il dit: quand je vais me retrouver, tout le monde est parti. Mon père enlevé, ma mère enlevée, ma soeur enlevée, ainsi de suite. Je me retrouve tout seul. Que ferai-je? Prenons position maintenant. Oh Christ! Je vais prendre position pour toi maintenant. Samson était prêt à payer le prix. Je ferai mon choix aujourd'hui. Je vous conseille de ne pas le remettre à demain. Je fais cesser tous mes bavardages sur autrui. Parler sur les gens. Je vais arrêter ça.
Amen. Je vais abandonner tout mon tempérament colérique. Il n'y a pas que toi qui as toujours raison. Je vais laisser de côté tous mes différends. Les choses sur lesquelles je ne m'entends pas avec les autres. Non, je ne m'entends pas avec lui. Je ne m'entends pas avec lui. Je ne peux pas le saluer. C'est un païen. Je vais laisser tout ça. Alléluia. Je vais abandonner toutes les choses. Dépouille-moi, Seigneur. Prends tout ce que j'ai. Simplement prends-moi, Seigneur. Je veux me tenir à ta place. Je veux être tendu. Je veux que tu enlèves toute la laine sale que j'ai. Je désire que tout égoïsme, tout orgueil, toute indifférence soit simplement ôtée de moi. Et puis je désire prendre position pour toi comme un agneau tendu, prêt à abandonner tous les plaisirs qu'on appelle les plaisirs de la vie, toutes les danses, toutes les réceptions, oh Dieu! Alléluia! Lors des mariages, les frères deviennent des païens. La soeur se farde comme une mondaine. Fardée comme une mondaine, fardée. On prend la musique, tout le monde en met. Des frères baptisé au nom de Jésus, dansant sous la musique du monde pendant les mariages. Tous les plaisirs de ce qu'on appelle les plaisirs de la vie, toutes les danses, toutes les réceptions, les fêtes, tous les vêtements indécents, les vêtements qui laissent voir le corps, la saleté là, le phare, le rouge à lèvres, le vernis à ongles, toute cette indifférence qui ressemble au monde. Tu as dit, n'agissez pas comme le monde. Ne vous associez même pas au monde. Sortez du milieu d'eux. Je te pose la question. Quels sont tes meilleurs amis? Les chrétiens ou les mondains? Tes meilleurs amis, c'est qui? Avec qui tu passes le plus de ton temps? Le clerc de ton temps. Et pourquoi? Vous parlez de quoi? Encore si c'est pour le travail? Je comprendrai. Vous travaillez dans une même entreprise. Mais après l'entreprise. Non, on n'est pas amis. J'ai une foi que tu n'as pas. Je te présente ma foi. Si tu veux marcher avec ma foi, nous marchons ensemble. Si ce n'est pas le cas, je resterai en bon terme avec toi. Mais je ne suis pas ton ami. Alléluia. Ce sera une connaissance. Mais on n'est pas amis. Mes frères, il est temps. Il est temps de sortir de toutes ces choses. Un chrétien qui sort de chez lui. J'aimerais voir un ami. L'ami dont il parle, c'est un païen. Il va visiter le païen. Mais il peut faire un mois, six mois. Il ne visite aucun frère de l'église. Mais il visite le païen. Donc en fait, il y a quelque chose chez ce païen qui est en toi et qui t'attire. Parce que je ne vois pas qu'est-ce que tu vas faire chez ce païen-là. Comment tu vas supporter de passer un temps avec un païen mondain? Dieu d'Abraham, comment? Oh, mon Dieu.
Alors, je prends la brochure, les instructions de Gabriel à Daniel. Il a prêché ça une seule fois. Hein. C'est le livre sur les 70 semaines de Daniel, en fait. C'est le 30 juillet 61. 30 juillet 61. Les instructions de Gabriel à Daniel, le paragraphe 90. Je comprends aussi qu'il y aura des moqueurs au dernier jour. Il parle de l'esprit des derniers jours. Hein? Je comprends qu'une nation s'élèvera contre une nation au dernier jour. Je comprends qu'il y aura des rats de marée au dernier jour. Je comprends qu'il y aura des choses qui feront peur à voir, comme des soucoupes volantes dans le ciel. Des choses mystérieuses. Et que la peur fera défaillir le cœur des hommes. Ce sera un temps où on ne saura que faire. Et les gens seront dans l'angoisse. Je lis qu'ils se rassembleront tous dans des organisations, dans des dénominations, et qu'ils formeront une confédération. Une confédération au dernier jour. Suivez à présent. Suivez à présent. Je comprends que les femmes se couperont les cheveux au dernier jour. Je comprends qu'elles s'habilleront court et avec des talons hauts, qu'elles feront résonner en marchant au dernier jour. Je comprends que les mœurs seront très relâchées au dernier jour. Je comprends que les prédicateurs seront de faux bergers au dernier jour, qu'ils feront des compromis et qu'au lieu de nourrir les gens de la parole de Dieu, ils se tourneront vers des credos et toutes sortes de choses. Mais je comprends aussi qu'une voix se fera entendre au dernier jour, qu'elle criera dans le désert et qu'elle appellera les gens à revenir au message originel, aux choses de Dieu. Que feront les femmes au dernier jour? Ils vont porter des chaussures avec des hauts. La hauteur de votre talon. Est-ce que vous pensez que ça plaît à Dieu? Je continue juste un instant. Un super signe. Prêché le 29 novembre. J'arrive, mes frères. 29 novembre. 63. Super signe. 29 novembre. 63. Paragraphe 20. Il dit ceci. Voilà, ça y est là. Je pense que même les femmes se font de super vêtements. C'est un âge moderne. Les chaussures à l'ancienne mode avaient un certain cuir. La paire coûte environ 3 dollars. Donc à peu près 1500. La meilleure qualité. Et elles avaient plus de cuir qu'une bonne douzaine de paires d'aujourd'hui, pour lesquelles vous payez 25 dollars. Écoutez, il dit, mais il faut le super genre. Vous savez, avec des talons hauts comme ceci et ouverts par le bout des orteils. Mais c'est super. Vous avez entendu? Au talon, ouvert par le bout des orteils, par devant. Dieu n'aime pas ça. C'est très répandu. La plupart des femmes assises ici ont chacune une paire à la maison, ouverte par devant. Frère Branham dit, c'est l'esprit des temps de la fin. Toi, tu veux être dans l'esprit de Dieu ou dans l'esprit des temps de la fin? La chaussure d'une femme, tout doit être fermé. On ne doit pas voir tes ongles.
tes ongles et tes pieds, c'est pour ton mari. Même si tu n'es pas encore marié, tu gardes protégé tes pieds. Et on ne doit pas exposer ses ongles. Dieu ne veut pas. Non. Les hauts talons. Et vous ajoutez encore pointu comme ça. Je vous dis, mes sœurs, au nom de Jésus de Nazareth, il est temps de sortir de toutes ces choses. Mettez une paire de chaussures basses. Si vous avez un talon, que ce soit un talon normal. Et vous verrez ce genre de talons qui sont normaux. En tout cas, ça n'élève pas la femme comme ça. Vous êtes posé. Vous comprenez? Et la hauteur est tout à fait normale. Mais tout ce qui vous lève par derrière, comme ça, c'est le diable à l'œuvre. Donc à la maison, quand vous allez rentrer, prenez vos chaussures en question, mettez-les. Allez au miroir. Si vous sentez que vous avez fait ça, prenez ces chaussures, mettez au feu. Ma sœur, je vois, je comprends, les temps sont aussi durs. Mais la vie éternelle est plus importante que les temps qui sont durs. Si j'avais autre chose que je pouvais vous dire, je vous le dis, je vous l'aurais dit. La main sur le cœur, je vous l'aurais dit. Mais il n'y a pas autre chose. C'est ça que vous devez savoir. La femme ne peut pas sortir ses pieds. Avec des, comme vous faites des sandales et des babouches partout là. Il y a des chaussures qui sont bien, qui couvrent vos pieds totalement. Dieu veut que vous gardiez vos pieds. En fait, le principe divin, c'est que la femme doit couvrir toutes les parties de son corps qui sont capables de renverser un homme. Et je vous apprends que les pieds en font partie. Il y a des femmes qui ont vraiment des jolis pieds. Quand elles posent ces pieds-là, sans même les vernis à ongles, seulement les pieds, les orteils, bien taillés. Parfaitement taillés, j'allais dire ça en anglais. Je parle des orteils là, c'est vraiment bien fuselé, bien là, bien. Si tu vois ça, tu peux te renverser. Il y a aussi les jambes. C'est pourquoi je vous ai parlé de la longueur de vos vêtements. Tenez. Regardez la science. Mais la science ne fait qu'étudier l'homme. Quand on fait la publicité, par exemple, des chaussettes ou d'un parfum, on vous montre juste la jambe d'une femme. Quand ça part à l'écran, vous êtes renversé. Tu commences à te poser la question, la jambe là va m'amener où? Finalement, ça aboutit à une chaussette. Ou à un parfum, ou même bizarrement à une voiture. Qu'est-ce que la jambe a à voir avec la voiture? C'est un travail. Ils ont étudié l'homme. Et Satan a vraiment donné de l'intelligence aux gens. Et William Branham a dit, si tu veux vendre, mets une femme devant. Quand vous faites un commerce, mettez une femme. Si tu mets un homme barbu devant la caisse, les gens ne viendront plus. Donc Dieu veut que les pieds de nos soeurs soient entièrement, parfaitement couverts. Chaussures basses. S'il y a un talon, le talon doit être normal. En général, ce talon-là aura la même hauteur qu'ici. Vous voyez, c'est à peu près les chaussures des hommes. Vous voyez nos chaussures? Nous, on n'est pas criqués. Vous voyez que je ne suis pas comme ça? Je suis normal, je suis posé au sol. Donc, vous verrez vous-même, c'est à peu près comme ça.
Donc si vous arrivez à ça, vous voyez ça comme ça, en ce moment-là, c'est bon. Prenez ça comme ça. Mais en général, ce genre de talons-là, c'est des talons carrés. Ou ronds, quelque chose comme ça. Mais pas des tiges. Laissez les tiges. Bientôt les mariages là, bientôt les mariages. Bientôt, on rentre dans la saison des mariages là. On va vous voir ici avec des vêtements collés au corps, moulés comme des saucissons, des talons comme vous êtes criqués comme ça. On me pose la question ici. Mais pasteur, qu'en est-il des sandales? On est, si on doit fermer nos pieds, qu'en est-il des sandales ouvertes? Frère Bana m'a condamné tout ça. C'est ouvert. Moi, je ne suis pas Frère Branham. Il est déjà au ciel, il faut aller lui demander. Je ne suis pas Frère Branham. Et je ne peux pas tricher pour dire autre chose. C'est interdit, ça va exposer vos pieds. Encore si vous êtes à la maison, on comprend. Mais on ne sort pas avec. Chaussures fermées. Et tenez, par exemple, vous les jeunes filles, mais ce n'est pas tous les jours qu'on a besoin de porter ce que vous appelez les mocassins. Maintenant, à côté de ça, mais il y a des chaussures que les jeunes filles portent également, qui sont comme des baskets, des choses comme ça pour femmes et autres. Les ballerines, qui sont très jolies. Amen. Et il n'y a pas que ça. Il y en a d'autres encore. Vous en trouverez. Mais Dieu ne veut pas. Là où vos pieds, vos ongles sont exposés, les boules. Vous savez, vous pouvez trouver des sœurs qui faisaient le contraire. Ne pensez pas toujours que c'est la parole. La parole, elle, elle dit ce que je viens de vous lire. Voilà pourquoi le ciel n'était pas fait pour tout le monde. Là, c'est dur. Mais pourtant, c'est simple. Je vous le dis. Tenez, nous, nous sommes chrétiens. Mais je ne fais pas l'apologie de l'islam ou quoi que ce soit. Mais dans les pays de l'islam, est-ce que vous savez qu'on n'entend presque pas parler de viol? Frère, le viol à Dubaï, tu as entendu? Mais frère, ça n'existe pratiquement pas. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent violer les femmes. Il y en a. Mais le problème, c'est que les femmes sont bien couvertes. Parfois jusqu'au visage. Je ne vous demande pas de porter la burqa. Je ne vous dis pas ça. Mais je vous dis simplement que Dieu veut que vous soyez bien couverte. Veillez à ça, il n'y aura pas de souci. Les vêtements ne doivent pas dessiner vos arrières. Dieu l'interdit. Il l'interdit. Arrivons-en aux cheveux. Il y a une sœur qui me pose une question ici, en direct du Canada. Je vous ai dit que je causais avec vous aujourd'hui. C'est pourquoi je prends ça. Elle vient de poser la question, ça vient de m'arriver à l'instant même. Dis bonjour, pasteur Francis. Que Dieu vous bénisse pour le rappel à l'ordre au culte de ce matin. Donc elle est en train de suivre en ce moment. Une chose que je n'ai pas comprise, c'est à propos des chaussures de la femme par rapport aux hauts talons. Personnellement, je ne porte pas de hauts talons, mais je n'ai pas compris pourquoi on ne peut pas porter de hauts talons. Et quelle est la hauteur du talon qui est biblique? Je comprends la longueur du vêtement, mais la hauteur du talon, je ne sais pas. J'apprécierais vraiment avoir un peu plus de détails là-dessus.
Je crois que si on veut avoir un peu plus de détails, que Dieu bénisse notre sœur, c'est regarder la brochure, la lumière rouge du signe de sa venue. Qu'on appelle encore le signal rouge de sa venue. Frère Branham dit que Satan, dans ce temps de la fin, a travaillé les femmes pour les rendre plus belles, plus attirantes et faire tomber les hommes. Et comment il a fait? Il a utilisé le maquillage. Il a utilisé les rouges à lèvres. Les vernis à ongles. Les ongles qu'on ajoute là. Un homme ou une femme ne doit pas avoir de longs ongles. Même vous-même. Je vous demande de faire un exercice. Vous rentrez dans votre chambre. Vous faites en sorte que il y ait très peu de lumière. Mettez votre main devant l'ampoule et laissez que la limace de votre main tombe sur le mur. Vous aurez l'aspect de quoi? Je n'avais pas besoin de répondre. Ça va ressembler à un démon. C'est pourquoi les ongles de l'homme et de la femme doivent être coupés. Coupés, coupés comme ça, coupés. Et quand vous mangez avec des ongles sales, tu viens dire à Dieu, Seigneur, bénis cette nourriture. Avec des ongles sales, quand tes doigts rentrent dans le manioc, nous en Afrique, nous sommes au Congo, on mange le manioc. Le manioc là, on le mange à la main. On mange ça comment? Je montre comment on coupe ça. Ça c'est le manioc. Je tiens d'une main, l'autre main fait ça. Donc quand le veuillez pas, les ongles vont rentrer et vont laisser toute la noirceur là, le manioc. Tu avales ça, après tu tombes malade. Et tu diras, non, j'ai prié, Dieu ne m'a pas protégé. Les ongles coupés. Donc, Satan a travaillé la femme pour la rendre plus belle. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait, Satan? Il a fait en sorte que pour que la femme soit encore plus attrayante, il faut la déshabiller. Il a enlevé ses vêtements, lui a donné les jupes courtes qu'on appelle jupes scandale. Après, il a donné des vêtements transparents. Ça n'a pas suffi. Satan dit que non, ça ne suffit pas encore. Je dois faire autre chose. Il dit maintenant, je dois élever ses talons. Il a mis les talons. Quand ça monte comme ça, automatiquement, regardez là. Qu'est-ce qui se passe là? La poitrine va en avant. C'est pour mettre en avant la poitrine de la femme. Et aussi mettre en avant derrière. À ce moment-là, la femme est beaucoup plus séduisante. Vous voyez, c'était ça le but. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que les filles de Dieu sortent de ces choses-là maintenant. Alléluia. Arrivons-en aux cheveux. À propos des cheveux, nous avons un passage clair, biblique. 1 Corinthiens 11, versets 13 à 16. Nous allons le relire. Versets 13 à 16. 1 Corinthiens 11. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à contester,
Nous n'en avons pas la coutume, l'habitude. Nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Voilà la règle à propos des cheveux. La règle dit ne les couper. Ne les couper pas. Gardez-les longs. C'est la règle. Mais attention. À partir d'une règle, on peut aller très loin. Je vais dans le prophète. Je vais dans le prophète. Je vous prends deux écritures dans le prophète pour régler ce problème. Question et réponse du 23 août 64. Prêchez le matin. 23 août 64, prêchez le matin, la même brochure appelée question réponse numéro 1 de 1964. Alors, dans le COD, c'est à la page 780, c'est la question numéro 251 et paragraphe 173 jusqu'à 176. On pose la question à Frobana. 173 jusqu'à 176. Frère Branham, est-ce que le passage de 1 Timothée 2:9 signifie qu'une femme ne peut pas se tresser, ne peut pas tresser ses cheveux? Est-ce que broided hair signifie cheveux tressés? Bon, regardez, sœur. Bon, ceci. Je suis content que celle-là ait suivi l'autre. Je n'avais pas placé là exprès. Mais c'est vraiment bien qu'elle ait suivi l'autre. Remarquez, les cheveux tressés, dans ce temps-là, c'était le signe d'une femme qui faisait le trottoir. C'est ce qu'elle faisait. Elle tressait ses cheveux et Paul a dit aux chrétiennes, or, cette parure qu'elle ne consiste pas dans les cheveux tressés. De tresser leurs cheveux. Parce que comme ça, elle ressemblait au reste du monde. Or, vous n'êtes pas censé ressembler au monde. Ni agir comme le monde. Voyez, les femmes sont censées être différentes. Non, maintenant, les cheveux tressés. Aujourd'hui, les cheveux tressés, c'est très joli. Et c'est bien loin de la mode du monde. Bon, vous voyez, les femmes et la façon dont elles arrangent leurs cheveux aujourd'hui. Vous, arrangez vos cheveux n'importe comment. Mais ne ressemblez pas au monde. C'est qui dit ça? C'est Frère Branham. That's all. C'est tout. Arrangez vos cheveux comme vous voulez. N'importe comment. Seulement ne ressemblez pas au monde. Ne ressemblez pas. Ou ne vous habillez pas comme le monde. Si elle porte des shorts, vous portez une robe. Comme les filles qui vont faire le cours d'éducation physique nues. Dans toutes les rues de Pointe-Noire. Et c'est à la mode. On attend qu'il y ait des viols en masse pour commencer à dire non, qu'est-ce qui se passe? On devait interdire ça et dire aux filles d'être habillées jusqu'au lieu de leur cours. Et même vous, parents, c'est vous qui laissez vos enfants sortir dans cette tenue-là. Dans le marché, dans la ville, la fille nue. Le derrière dessiné. Si elle les tonde, les coupe, les arrange de quelqu'un, vous laissez les vôtres tranquilles. Voyez. Voilà.
ce qu'il a dit déjà là est très important. Je peux laisser le reste. Il dit, ce que je demande aux femmes, c'est qu'elles traitent leurs cheveux comme elles veulent, mais elles ne doivent pas les couper. C'est la première chose. Une autre chose, j'avance. Question et réponse du 23 août 1964. Je vais terminer bientôt. Prêcher le soir. 23 août 64, prêcher le soir, c'est cette brochure qu'on appelle encore question de réponse, numéro 2 de 1964. Donc dans le COD, le livre, c'est la page 819, paragraphe, qu'est-ce que je dis, la question numéro 279. Question 279. Paragraphe 28 à 34. Là, Frère Banam dit. On lui pose une question. Maintenant, voici la première question que j'ai sortie de là. Il est au début de sa prédication. Frère Branham, est-ce mal pour une chrétienne de se faire des frisettes? Aussi, quelle longueur devrait avoir ses manches? Merci. Une sœur. Donc, c'est une sœur qui avait posé la question. Maintenant, ça a une grande importance pour cette femme. Oh, il se peut que certains d'entre vous, les frères, nous pensions, oh, quelle femme insensée! Mais pour elle, ce n'est pas insensé. Elle veut savoir. Maintenant, pour ce qui est de se faire, qu'est-ce que c'était déjà? Des boudins, ou quoi? Pardon, des frisettes, excusez-moi. Des pinces, des nattes. C'est ce que les filles portaient. Il y a des années. Vous vous souvenez? C'est bien ça, n'est-ce pas? On appelait ça des nattes. Ces espèces de boucles de cheveux qui pendaient. Non, des frisettes, excusez-moi mes amis. Tout ça, c'est la parole. Même quand il dit excusez-moi. C'est pourquoi je lis ça. Moi, je ne sais pas pourquoi il était tout le temps en train de dire excusez-moi. Je lis d'abord ça comme ça. Le Saint-Esprit sait, ça va aider quelqu'un quelque part. Après, il revient. Quelle longueur ces manches devaient-elles avoir? Les manches de vêtements. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à ce sujet. Je ne sais pas. Vous voyez, ce que je ne peux pas appuyer sur la Bible, je ne veux pas trop en parler. C'est déjà clair là? On avance pour la longueur des manches, il n'a rien dit. Maintenant, je vous dis simplement ce que moi je pense. Parce que je n'ai pas de passage de l'écriture pour appuyer mes dires. La seule chose que j'ai pour les dames, la seule chose, à propos de leurs cheveux, c'est de ne pas les couper. Comment elles veulent les porter, c'est leur affaire. On est d'accord? Je continue, je vais au paragraphe 31. Écoutez ça. Quant à la longueur des manches, je pense que tu es une chrétienne. Dieu vous dira ce qu'il faut faire à propos de ces choses. Vous voyez? Je crois qu'en tant que chrétienne, vous deviez savoir comment il faut faire. Je ne pense pas que Dieu exige une certaine longueur ou quoi que ce soit. Tant que vous êtes décente, propre, que vous avez l'air distingué et propre, je pense que c'est un ordre. Pas vous. Voyez maintenant ça, c'est simplement mon opinion. Ceci c'est moi. Vous voyez, c'est ce que je ne peux pas. C'est que je ne peux rien appuyer d'autre sur l'écriture. Je ne peux rien appuyer d'autre sur l'écriture. Et il continue comme ça. Après, il va dire, vous faites ça par orgueil, là c'est mauvais. Il va ajouter ça. Quelque part ici en bas, il dit, alors regardez votre cœur. Paragraphe 34.
Paragraphe 34, c'est là où il parle de l'orgueil, il dit, je sais qu'Ésaïe 5, je crois, c'est Ésaïe chapitre 4, parle des femmes. Là aussi, pourquoi Fouana m'a dit 5, je ne sais pas, j'ai d'abord dit 5. Amen. Amen. Mais dans la Bible, le passage qu'il cite, là, c'est le 4, c'est Ésaïe 4. Je crois parler des femmes qu'elles porteraient des vêtements précieux et tout le reste. Mais c'était par orgueil et tout. Pour la façade. Si vous faites ça par orgueil, alors c'est mal. Voyez, examinez votre cœur devant Dieu. S'il n'y a aucun passage de l'Écriture à ce sujet, alors ce que l'Esprit vous conduira à faire, allez-y, faites-le. Mais quand il s'agit de savoir si vous devriez avoir les cheveux longs ou les cheveux courts, ayez les cheveux longs. C'est ce que dit la Bible. Voilà à propos des cheveux. Maintenant, les mèches que vous mettez sur la tête, si c'est pour allonger votre chevelure, ça vous permet d'avoir des cheveux longs. Je n'ai rien contre. Si vous me dites, pasteur, ce n'est pas naturel, là la femme cesse d'être naturelle. Frère Banam portait un postiche parce qu'il avait une calvitie. Le postiche là, c'était naturel. Oh non, 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 c'est parce qu'il était malade. Mais Dieu pouvait faire pousser ses cheveux. Mais il a quand même mis un postiche fabriqué par l'homme. Ne confondez pas les choses. Il ajoute encore, toujours la question du poste numéro 2, il dit, si la nature vous a privé de quelque chose, vous pouvez vous en procurer dans le monde scientifique. Il dit que vous pouvez vous en procurer. Donc vous pouvez acheter quelque chose qui a été fabriqué et vous mettez. Il n'y a pas de problème. Il faut que ça soit décent. Ça corresponde à votre chevelure. Ça corresponde à votre tête. Ça corresponde à la couleur même de vos cheveux. Tout ça pour rester naturel. Mais attention, lorsque ce n'est pas nécessaire, pourquoi mettre ça? Si ce n'est pas nécessaire. Et ensuite, lorsque tu mets ça, que ce soit nécessaire ou pas, mais avec l'intention, non, je veux paraître belle, l'orgueil est rentré. Ça devient mal. Quel est le motif? Ensuite, quel genre de coiffe faites-vous avec? Il y a des coiffes qui correspondent très bien à la tête d'une africaine. Mais il y en a qui ne correspondent pas. Parce que vous n'êtes pas une blanche et vous ne serez jamais une blanche. Même si tu te laves pendant 7 jours. Pourquoi essayer de imiter les blanches? Vous comprenez? Là aussi, c'est mal. Donc, la chose, quand on l'ajoute, il faut qu'il y ait nécessité. Mais quand il n'y a pas de nécessité, veillez à respecter la parole. Tout ça, c'est la parole. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai rappelé. Mes frères, il ne me reste plus qu'un seul point. Mais je vois beaucoup de questions qui tombent ici. Que les gens posent pour chercher à savoir, certainement que les enfants de Dieu veulent être en ordre avec Dieu. Regardez là, on m'envoie une photo d'une paire de chaussures. Il y a des papas aussi. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Des sandales. Sandales. Ouvertes comme ça. C'est un peu difficile à voir. Ça vient d'être envoyé. Ça, c'est Brazzaville qui vient d'envoyer. Ils sont en direct en ce moment. C'est à brûler. Mettez ça au feu.
Amen. Je ne suis pas prophète. Ne me poussez pas à fabriquer un message. Le message dit ce qu'il dit là. Si vous allez me fuir, fuyez. Le message dit ce qu'il dit là. Là, une question qui vient de la Côte d'Ivoire. En ce moment, ça vient de la Côte d'Ivoire. On me demande, Shalom pasteur. Une sœur ici demande. En ce moment même, c'est en direct. Une sœur ici demande. Si son mari n'est pas chrétien et il demande de le faire, que faire? Elle fait savoir. Frère Branham dit, obéissez à votre mari. Tant que votre mari vous demande de faire une chose qui est conforme à la parole. Le reste, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut ajouter. Vous avez la réponse. Et je vois beaucoup de questions que vous venez de poser. Une autre question qui vient de Brazzaville. C'est grave, on risque de ne pas finir. Il y a quelqu'un passé. On me demande. Et si nos ongles peuvent faire tomber un homme, ça c'est Brazzaville. Et si nos ongles peuvent faire tomber un homme, qu'en est-il du sourire de la femme? Ne devons-nous pas seulement couvrir tout le visage? Non, ne me demandez pas de changer la doctrine du message. Frère Branham n'a jamais prêché qu'on devait couvrir tout le visage. Mais Frère Branham nous montre que ton sourire c'est pour ton mari. Garde ton sourire pour ton mari, ne souris pas avec les gens n'importe où dehors. Amen. Alléluia. Là, une question qui vient de France, en ce moment, en France, de France. Pasteur, aidez-nous. Oui, c'est grave, l'heure est grave, mes frères. Frère, c'est grave, je vous dis vrai, c'est pas une blague. Ici en France et en Europe, il y a des colons pour réchauffer les femmes en hiver. Qu'en est-il? Car cette question ronge beaucoup les sœurs. Elle n'a jamais trouvé de réponse. S'il vous plaît, aidez-nous. C'est-à-dire en France, aux États-Unis, au Canada et partout. Quand il fait très, il fait froid, c'est l'hiver. Les femmes mettent les colons. Après, au-dessus, elles mettent une jupe ou une robe. C'est pour lutter contre le froid. Je veux seulement dire ceci. Suivez-moi très bien. Je connais votre foi là. J'ai déjà été dans un pays où le foi était assez sévère. Et j'en sais quelque chose. Il y a des fois quand ça vous prend, vous ne sentez même plus vos doigts. Si ça dépasse les limites, on vous coupera les doigts. Récemment, il y a eu une vague de foi aux États-Unis. Beaucoup de gens se sont retrouvés à l'hôpital. On coupait les doigts. Ça passait même au journal. Le journal ne mettait pas l'accent sur ce qui se faisait. Mais nous avons un frère médecin qui travaille là en chirurgie, qui a travaillé sur les gens en train de couper les doigts ou de raccommoder. Donc c'est sévère.
Vous voyez qu'une question comme ça ne peut pas être traitée à la légère. Voici ce que je dis aux femmes qui vivent dans le grand froid. Ce n'est pas le prophète. Parce que je n'ai pas d'écriture. Mais c'est moi. C'est Pasteur Francis. Si j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu, je vous dis ceci. On n'a pas de citation. Mais il faut résoudre un problème. Voici ce que je vous dis. Vous pouvez mettre votre colon. J'ai déjà vu ces femmes avec ces colons-là. Seulement quand vous mettez ces colons, allongez votre jupe. Allongez votre robe. À ce moment-là, ça ne va pas montrer vos jambes. Mais si vous faites colon en bas, vous mettez une jupe courte, vous deviendrez comme une prostituée. Vous comprenez? C'est ce qu'il faudra faire. Alléluia. Et je terminerai en disant ceci. Il est aussi question que nous puissions nous mettre dans la consécration. Je n'ai plus le temps de lire des textes. Mais Frère Branham dit, priez comme vous n'avez jamais prié. Il dit, priez comme si vous deviez mourir. Faites-le. Priez de cette façon-là. Comme si c'était le dernier jour. Et que nous vous devions mourir. Priez de cette façon-là. Et rappelez-vous, ne priez pas seulement pour vous. Priez aussi pour que vos amis, vos parents, vos frères en Christ même rétrogrades, et même les gens que vous ne connaissez pas connaissent aussi le chemin du salut avant que tout ne se referme. Et à la maison, mettez l'atmosphère chrétienne. Censurez la télévision. Censurez votre télévision. Rien de sale à l'écran. Sortez tout ce qui n'est pas la parole de la maison. Les images sales de vos téléphones, de vos ordinateurs, de vos chambres. Sortez l'alcool de vos réfrigérateurs ou de votre maison. Revenez à Dieu. Dites à votre femme et à vos enfants, on fait le ménage spirituel ici. Revenons tous à Dieu, mes frères. Alléluia. Sinon, ce jour va arriver. Et vous vous rappellerez. Le pasteur le disait. L'occasion. Vous étonnez. Quand Dieu parle, comme il a fait ce matin, c'est parce qu'il voulait vous donner un avertissement. Mes sœurs, quand vous viendrez à la porte de cette église, personne ne vous chassera. Même si vous êtes mal habillé, personne ne vous chassera. Mais ça sera votre jugement. Parce que Dieu vous a tout dit. Vous allez peut-être avoir l'aspect d'une vieille femme. Mais vous allez être aimé de Jésus. Revenons. Revenons. Un homme qui ne prie pas, faible dans la prière. Quand vous lui dites, frère, prie, il ne sait rien faire. Revenons. Nous allons nous remettre au Seigneur. Les questions n'ont fait que tomber. Je les prendrai prochainement. Dieu aidant. Tout à Jésus, j'abandonne tout. Tout à Jésus, j'abandonne tout. Mes frères, il est écrit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur.
sortez des histoires de copains et copines. Sortez de ça. Sortez. Alignez-vous sur Dieu. Alignez-vous sur la parole. Si vous aviez un copain, après ce culte, dites-lui: j'ai entendu la voix de Dieu, je ne veux plus continuer. Dites-lui la vérité. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Quelqu'un veut qu'on se souvienne de lui en prière, il va seulement lever sa main. Partout ailleurs où sont les enfants de Dieu, en ce moment, partout dans différents pays, levez seulement votre main, nous allons prier. Levez seulement votre main, nous allons prier. N'hésitez pas. N'hésitez pas un seul instant. Quand Dieu parle ainsi, ce n'est pas qu'il veut vous rejeter, mais il parle ainsi parce qu'il vous aime et il veut vous accorder la grâce du salut. Il veut que vous soyez aussi sauvés. Il vous aime. C'est son amour. Nous allons prier. Si quelqu'un est sincère, Dieu va l'exaucer.
On va prier simplement. Simplement. Dieu notre Père céleste, ta parole a été répandue. Et nous avons dit à ton peuple ce que ton messager a dit dans cet âge. Et ce message est venu par une colonne de feu qui a confirmé ce message. Et qui a confirmé ce message pour attester que c'est la vérité venant de Dieu. Et cette vérité était destinée à l'épouse au travers du monde. Cette épouse, Seigneur, ici à Pointe-Noire, à Brazzaville, partout au travers du monde où les frères et sœurs sont en train de nous suivre en ce moment, où qu'ils soient, Seigneur, au Canada, en France, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Rwanda, en Ouganda, en Italie, en France, peu importe l'endroit, Seigneur, en Russie, je prie, oh Dieu, que là où sont tes enfants maintenant, la lumière de Dieu descend dans cet endroit-là. Elle tourne autour de chacun d'entre eux. Elle rentre dans le cœur de chacun. Fais-le ici. Fais-le en Mbota. Fais-le à Brazzaville. Fais-le dans chaque pays qui est connecté maintenant. Ici. Quel que soit l'endroit où se trouve ta semence, dans un bureau, dans une voiture, dans un salon, dans une chambre, que le Saint-Esprit descende à cet endroit-là. Seigneur, que tous ceux qui se sont repentis et qui ont fait comme Samson et qui ont crié encore une fois seulement, Seigneur, Père, donne vie à chacune de ces âmes. Vie, vie, Seigneur, vie, qu'il y ait un renouveau par le Saint-Esprit. Que les faiblesses sortent de leur vie. Amen. Qu'une vie de consécration vienne dans leur vie. Amen. Pardonne leurs péchés. Pardonne à chacun de nous ses péchés. Et donne ta miséricorde, oh Dieu. Reçois chacun dans ton royaume. Je réclame chaque frère, chaque sœur qui a suivi ce message ou qui le suivra, qu'il soit touché par Dieu, béni par Dieu, et réclamé à présent pour Christ. Je les place chacun sous ton sang pour que Satan ne le touche plus. Montre ton amour. Je leur ai dit que tu les aimes. Maintenant montre ton amour, Seigneur. J'ai prié au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Écoute l'appel du Sauveur Jésus, la lumière du monde. Amen l'évangile à tous. Amen l'évangile à tous. Jésus, la lumière du monde. Oh oui, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la misère. Corde versé.